touching the sky. She's is there someone I might like, and he likes to lie, but I'm sure I can change his heart. She sees the signs, but never mind. She drives through red like the last time. So... Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Oh, merci pour le raid. America, oh, double raid. Let's go! Salut, Cubes! Oh, comment ça va? J'aime ce type de précis et rapide. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé, Sarah? Double raid! Ok, ça marche, ça marche! Salut, Salut, Razor! Salut, Foxy! Salut, Wolfies! Comment tu vas, poulette? Salut, Ice Cube! Merci pour le raid! Merci, les loups! Akira, si tu passes par Trigger Fire pour les récompenses de Point Shell avec les vidéos, vérifie que tu sois pas déco du site. Le site est dédain, on est déco du site, d'accord. En fait, moi, c'est surtout en fait quand je lance OBS avant du coup le logiciel pour les alertes, en fait, ça déconne. Donc, en fait, il suffit juste que j'éteigne et que je rallume OBS et ça marche du coup. Et bienvenue à Razor, et bienvenue aux Raiders, et bienvenue à Foxy. Salut Angel, comment ça va, poulette? Et qu'est-ce qui t'arrive du coup, Sarah? Comment ça se fait que ta journée elle est pourrie, Sarah? Qu'est-ce qui t'arrive du coup? Et merci à Foxy, hein. Comment s'est passé ton live du coup? Alors c'est Foxy ou c'est Razor? C'est Razor qui a raid en premier. Donc merci Razor pour ton raid. Razor qui fait pas mal de multigaming en ce moment. Et en ce moment il découvre les Metroidvania. Il était sur After Image. Et là en ce moment il est sur Hollow Knight. Et on peut le dire, hein, Razor, ce jeu c'est vraiment de la merde. Enfin, bon, en tout cas c'est ce que j'ai entendu du coup de ton live, hein, tout à l'heure, hein. Je pense que tu peux pas t'en cacher. Comment tu vas, poulet? Mais non! Mais attends, c'est pas moi qui l'ai dit! C'est pas moi qui l'ai dit! C'est pas moi qui l'ai dit, Wolfies! C'est pas moi qui l'ai dit! Moi, je répète juste ce que j'ai entendu sur le live de Razor. Et il a dit, et je l'affirme très haut, il a dit. Et je l'affirme haut et fort, ce jeu, c'est de la merde, il a dit. Ouais, que ce jeu était nul, il a dit. Ce jeu était nul, il a dit. Exactement. Donc ça vient pas de moi, hein. Ça vient pas de moi. Donc moi, j'ai aucune expérience, je n'ai jamais joué à Hollow Knight, donc je ne peux rien dire sur le jeu. Coucou Angel, comment ça, poulette? Tu dépenses tes points chez les gens maintenant? Mais what the fuck, man? En tout cas, merci Excuse pour le double raid. Et on a Foxy qui était sur Unholy Nightborn. Le 1 et 2, l'histoire complète. Tu l'as terminé du coup, Foxy, le jeu? Désolé, j'étais en train de boire. Pas de problème, Foxy, hein. T'inquiète pas, mon poulet. Hein. Comment ça va sur live du coup? Et comment s'est passé ton live, Razor? Est-ce qu'on peut faire un shout-out pour Razor? Et ensuite, un shout-out pour Foxy William, s'il vous plaît, la modération. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Wolfies, j'ai 107k chez Akira, je peux bien dépenser trop. Ah, 107k! Oh la vache! What a freak, fuck, freak, man! Bon, maintenant j'en ai plus, c'est un verre. Ah, c'est quoi comme jeu, ça? Un Dread Bloodborne, non? Ok. Ah là, il était pas content, je crois. Oh, merci pour le Wolfies. Obligé de m'abonner pour juger Akira avec sa propre emote. Merci beaucoup, Wolfies. Merci pour ton abonnement, merci pour ton aimant, merci pour ton soutien, poulette. Merci du fond du cœur. Comment s'est passée ta journée, Wolfies? T'as pas... Donc du coup tu es malade, Sarah, et ta fille aussi, donc du coup tu as l'angine. Donc après que ton fils soit malade, ça a été Dom, après ça a été ta fille, et après c'était toi, Sarah. Est-ce que tu vas faire un autre cycle et le renvoyer à ton fils pour qu'il le refile à Dom, pour qu'il le refile à ta fille et pour qu'il te le refile à toi, Sarah? Et du coup, qu'est-ce que t'as comme symptôme, poulette? Pas encore terminé, il a l'air assez complexe. En tout cas, je ne connais pas du tout le jeu, Unholy Neighborhood. Il fallait que je regarde sur internet. Salut Gaël, comment tu vas, poulette? C'est beaucoup ça, ouais, exactement, ta main. Et oui, Bloodborne, yes, go. J'aimerais tellement jouer. Je pense qu'à mon avis, il va falloir que je contacte Ice Cube et toutes les personnes qui savent comment l'utiliser d'un PC, Bloodborne. Parce qu'il va falloir que je le fasse.
Il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je le fasse. En tout cas, bienvenue à tous. Et voilà, merci beaucoup en tout cas Winter Sky, ma petite chouchoute. Et t'as vu, hey, Winter, je suis arrivé à changer le badge de la TwitchCon, ça y est. Maman, shark. Coucou Ozix, coucou, comment tu vas Ozix? Je relis un petit peu. Oui, il faut que je refasse des clips. Oui, Foxy, il faut que tu refasses des clips, mon poulain. Il faut que tu refasses des clips. Mais oui, c'était nickel. J'ai bien avancé aujourd'hui sur le jeu. Tu penses que t'en es loin des 150 000%? Ne m'oblige pas à t'insulter, je ne veux pas me faire ban. Mais oui, pourquoi, comment s'est passé ton... C'est exactement la question que je t'ai posée, du coup, Wolfis, comment s'est passé ta journée, du coup? Je me rends l'air que pour le début de la soirée, des bisous à toutes. Ça marche, Winter? Gros bisous, poulette. Des bisous, plein de bisous. Et merci pour ton l'heure, du coup. Ok, bonsoir Ozix, et toi, comment tu vas, Ozix? Ça va, et toi, moi, qui? Bah écoute, ça va super, Gaël. Aujourd'hui, j'ai pas, en ce moment, je suis pas très performant au boulot. Hein. Franchement, je pense qu'une seule chose. Je pense qu'à une seule chose. Et je pense que les personnes peuvent le deviner sur le chat. Et non, c'est pas le sexe. Apex! Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de jouer encore plus que d'habitude, d'une manière générale. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué avec le travail, avec ce siècle-là. Mais il faut faire avec. Et toi, comment tu vas, Gaël? Comment s'est passé aussi ta journée de travail? Akira demande à Remix. Lui, il sait, il l'a fait. Ah ouais, tu l'as fait du coup du PC directement? Désolé, il le fallait. Il le fallait, mais what the fuck, fuck, fuck. Non, c'est fini après. J'ai la tête qui tourne du mal à manger. Bah écoute, repose-toi, Sarah. Mets-toi au repos ce soir, t'embête pas. Ça va? Ah ouais, c'était vraiment un petit ça va, Wolfies. J'ai envie de te dire le minimum syndical, comme on dit dans le métier. Ben moi ça va super bien, Ozix, voilà, un peu fatigué parce que du coup j'ai dû gérer les petits et hier je me suis couché tard, du coup parce que j'ai live, on voulait terminer avec Winter Sky Resident Evil 6 pour attaquer le 7 ce soir, donc mission réussie, mais ça m'a fait coucher assez tard parce que je voulais pas finir sur une partie sur Apex de merde quoi, voilà c'est ma vie, la vie de papa streamer et geek, Apex exactement. Tout est principal sur Hollow Knight. Sur Hollow Knight, je ne fais que l'histoire principale et pas tout le reste. Ok, donc du coup, tu vas faire combien de pourcents? Ça va ici, merci, j'ai pris 4 jours de pause et ça fait du bien. Ah, c'est vrai, Gaël? Oh, mais c'est cool, ça. C'est trop bien, Gaël. Et du coup, comment ça marche quand t'es auto-entrepreneuse? Coucou, Papy Greg. Comment tu vas, le beau gosse? Le beau gosse à la belle voix sexy. Franchement, je pense que Papy Greg, il pourrait concurrencer Kaz, je pense. Je pense qu'il pourrait largement concurrencer Kaz. Parce qu'il est beau, il est généreux, il a du cœur. Alors que Kaz, il a de l'argent, c'est un rat, il est dégueulasse, et en plus, il pue la gueule. Parce qu'il mange des bananes. Cadeau, Kaz. Bluebird, je l'ai fait depuis un PC. Let's go, Remix. C'est la Fordicus, mais pourquoi tu dis ça, Wolfies? Pourquoi tu dis ça, Fordicus, le pauvre? Bon, un peu relou, aujourd'hui, la voiture retourne au garage. Encore? Putain, mais Ozix, mais qu'est-ce qui se passe avec ta voiture? T'en avais déjà eu pour 900 balles, je crois, ou 600 balles de frais, je crois. Qu'est-ce qu'elle a, la bagnole? À un moment donné, GG pour la fin et le début d'un remercie, Angel, t'es un amour, poulette. T'es un amour. Comment ça, la faute du cusme? Ben, c'est clair, je me pose des questions aussi. Bah bravo, rien que ça joue, si tout va bien, j'arrive bientôt. Ah, bah bravo. Rien que ça, ok. Let's go, alors, du coup, Ozix. Tu l'as quand la 6G? En auto, pas de travail, pas d'argent. Ok, d'accord, ok. T'as droit à rien du tout, du coup? Parce que du coup, c'est une micro-entreprise ou comment ça marche? Je sais pas trop comment ça marche, en fait, peut-être. Non, du tout, je suis vieux, moi. Ah, t'es vieux? Mais Kaz, il est encore plus vieux que toi. Ah! Merci, Remix, pour le clip. Est-ce que tu peux le mettre sur le salon et taguer Kaz, Remix, si ça dérange pas trop? C'est pour faire réagir un copain. Mon papy doux. C'est vrai qu'il a l'air d'être doux, Papy Greg. D'ailleurs, Papy Greg, est-ce que tu es célibataire, d'ailleurs? Et donc, du coup, des nouvelles. Bah, de toute façon, je couche les enfants et je repose mon pied, car journée pourrie. Mais ton pied, qu'est-ce que t'as fait à ton pied, du coup? Tu t'es tordu la cheville ou...
Tu t'es blessé? Qu'est-ce qui s'est passé, Sarah? Ah, mon pied a vu de très près du beurre bouillant de la poêle ce midi. Oh, ah là là, t'avais pas de chaussettes. T'avais rien. 900 euros, t'oublies des petits sous. 2700 euros aux X. Putain, mais 2700 euros, tu te rachètes une bagnole, poulette. 2700 euros, là, tu vas en avoir pour encore quelques centaines d'euros. À 3000 euros, tu peux te... Franchement, ta voiture, elle est maudite. C'est quoi comme marque si c'est pas indiscret aux X? Merci beaucoup, MXNamo. Compliqué, situation compliquée, d'accord, ok, ça marche. On ne demandera pas plus du coup. Ben, un peu comme Kaz. Kaz aussi, c'est situation compliquée. Bon, honnêtement, vous avez beaucoup de ressemblances à Papy Greg et Kaz. Je sais pas si vous avez eu l'occasion un petit peu de discuter ensemble et tout. D'ailleurs, Papy, tu habites où? Et toi, Gaël aussi, est-ce que tu habites en région parisienne, poulette? Parce que je serai à la TwitchCon le 8 juillet. Et donc, bon, ceux qui participent, qui viennent à TwitchCon, ben, on aura l'occasion de se voir à l'intérieur. Mais par contre, du coup, à l'extérieur, on fera un petit resto. Il y a Wolfies qui est invité d'ailleurs, il y a Ice Cube. Il y aura Winterscape, un petit chouchoute. Et bien d'autres personnes. Et il y aura peut-être Mamie Géniale aussi. Mais je crois que Mamie Géniale, elle habite pas à Paris, je crois. Bah, attends, je couche les enfants, ok. Mais oui, on fait maintenant pour éviter que ça empire, ok, d'accord. Très bien, Ozix. J'étais en chaussons, mais c'était très bouillant. Ouais, putain, j'imagine, t'as dû te cramer le doigt, quoi. Oh, t'as mis de la biafine, tout ça? 1000 euros encore, je pense. J'ai une Golf 5. Ah ouais, en plus, putain, c'est une Golf, quoi. What the fuck, fuck, fuck. Qu'est-ce qui se passe? Même la Deutsche Qualität. Y a plus Deutsche Qualität? Ça passe à travers, ouais, j'imagine que le chausson a pas suffi, quoi. Mais bon, heureusement que t'avais le chausson, parce que t'aurais été encore plus brûlé, du coup, poulette. Et comment elle va, Maman Gina? Comment ça, poulette? Je suis dans le nord, dans le nord-est, moi, c'est vrai, aucun peu loin, ouais, c'est un peu loin, c'est vrai. Mais bon, j'habite à 80 mètres de Lille, moi, Mordoya. Hein. À 80 mètres de Lille? Mais t'habites à Lille, en fait. T'habites à Lille? En fait, t'as le panneau Lille, t'es à côté, mais t'habites dans Lille, non? En tout cas, bienvenue à tous et à toutes les loups. Ce soir, on va jouer à Resident Evil 7. Mais sachez une chose, les loups. Et je vais baisser le son. Pour mettre une musique que j'aime bien. J'ai vu la vidéo finale de la TGS. Et on remercie Sucremoule pour cette vidéo de ouf. America, fuck yeah. Qui dure à peu près 8 minutes 30. Donc je vous montrerai ça. On va faire une soirée spéciale. Je pense à samedi, mais je sais pas si vous êtes dispo samedi en fait. Justement, on essaie que ça reste de qualité. Ok, d'accord, ça marche. Salut Elix, comment tu vas, Poulette? Comment tu vas, Elix? Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. Ok, on va repasser en mode vas-y, je suis zen, quoi. Du coup, Akira, tu prévois une revue de la vidéo en live avec des commentaires? Oui, donc je compte faire ça, Angel. Après, la vidéo, elle dure que, honnêtement, on va la regarder, après on va la regarder. Et ce que je ferai, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est inviter les personnes qui sont venues à la TGS en vocal, pour pouvoir un peu exprimer ce qu'ils ont vécu à la TGS, tout ça. Donc, on parle de Sarah, on parle de Dom, on parle de Remix, on parle de d'Ozix, on parle de Ninipood, y a Dante, y a Fwals. Voilà, toutes les personnes qui ont participé, j'aimerais faire une soirée, donc je pensais à samedi, mais apparemment Gali par exemple, je crois qu'elle peut pas samedi, je crois que Winter aussi elle peut pas, parce que Winter était là aussi, et j'avoue que ça serait sympa de revoir la vidéo, d'interagir avec le chat, et du coup de faire parler les personnes, alors pas tout le monde en même temps, ce serait le bordel, hein, on était quand même plus d'une trentaine, mais faire venir les personnes tour à tour, pour qu'elles puissent exprimer, voilà, un petit peu les anecdotes ou les petites dédicaces qu'elles ont envie de faire. J'ai envie de vous dire un petit peu une soirée dans la suite de la TGS, fun et bienveillance.
Donc voilà, donc je pensais faire ça. Après ça durera pas toute la soirée, donc je réserve aussi un blind test sur les séries télévisées des années 80-90 ans, parce que j'avais pas pu le faire lors de mes 2 ans de live, la fête des 2 ans de live. Donc voilà, et je ferai gagner des cadeaux à ce moment là Salut Lucie. Salut Lucie, comment tu vas toi Elix? Comment tu vas la belle Elix? Justement, on essaie que ça reste de qualité, donc ça je l'ai vu. Gaël Metz ou Nancy? Attention, il y a une bonne réponse. Et il y a Nancy. Ah oui, c'est de Metz, ça c'est pas vrai. Oui, on avait déjà les crèmes spéciales brûlure, car c'est pas la première fois que je fais les catastrophes sur moi-même. Ok, d'accord. Il faut que tu te concentres du coup, parce que c'est vrai que tu peux te faire très très mal. Ah, c'est pas fou, j'ai partagé une super photo de ma première galère sans chérir. Ça promet pour la suite. Ah ouais? Tu l'as partagé où du coup, maman géniale? Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait du coup, Metz? Qu'est-ce qui t'arrive comme galère, maman géniale? Donc voilà. Donc je sais pas si vous êtes dispo samedi ou pas. Il faut que je vois avec Gali tout ça. Bah, c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait le maximum de personnes quoi. C'est vrai que ça serait cool. Au top sucre. Ouais, elle était au top. Franchement, il a pris des vidéos pendant tout le truc et tout. Il faut que je fasse un gros cadeau hein, à Sucre Moule. Du coup, ça va super bien, Elix. Pas super motivé en ce moment pour le taf, pour te dire la vérité, Elix. Rien de bien méchant quoi que ce soit. Mais c'est vrai que du coup, ouais. J'ai envie un peu de rester en mode relax là. Le week-end de 4 jours m'a mis en mode relax. Et c'est vrai que j'ai envie de rester dans ce mode un petit peu relax, alors qu'au boulot c'est un peu plus stressant. Au pire, tu devrais faire un sondage sur Discord pour savoir quand la soirée est spéciale. Bah je ferai ça avec Cuse. Merci mon poulet. Tu veux pas Ah bah parce que c'est vrai qu'on va faire d'autres choses avec Cuse aussi. Comment elle va Lucie? Pour moi, c'est quand tu veux, tant que c'est prévu à l'avance. Ok, ça marche, Remix. Mais c'est vrai que ça serait cool, du coup. Parce que du coup, les personnes pourraient venir et tout. Mais il a fait un truc super sympa, Sucre Moule. Il a fait un truc sympa, il a quasiment filmé tout le monde et tout, pour qu'il y ait tout le monde dessus. Et vous allez voir, c'est sympa. C'est sympa. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, les loups. À la fin, j'avais les yeux humidifiés. J'avais les yeux humidifiés. Coucou Eric, comment ça me poulet? Parce qu'il y avait la chanson à la fin, il y avait le petit finish, c'était... Et puis voilà, ça... Ok, ça marche, pas de problème, Lucie, t'inquiète pas, poulette. Elle travaille bien, et du coup, bonne modération chez Boubouk, j'ai vu qu'il était en stream, tu lui feras un gros bisou de ma part. Et ouais, du coup, t'inquiète pas, Lucie, mets-toi à l'aise, hein, poulette. Sur Discord, bah, j'irai regarder, du coup. Eh ben ça va et toi? J'adore Elix, elle se répète tout le temps. Ben ça va et toi? Ben ça va et toi Elix? Comment il va Eric aussi hein? Quand à qui? Je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Je sais pas du tout, il faut que je... Comme il dit Ekus, je pense que je fais un sondage sur Discord. Et Razor en tout cas, Razor, n'hésitez pas à aller voir Razor et du coup notre ami Foxy William, Razor Prods du coup sur Hollow Knight, Razor qui est en plus l'organisateur, le co-organisateur du tournoi Apex de la E-Team, donc je le remercie énormément en tout cas, on va organiser ça aussi à la fin du marathon et des personnes qui me demandent quand, il y a beaucoup de choses qui se profilent, je peux pas donner de date, voilà, il y a à court terme c'est le marathon, à moyen terme il y aura tout le reste, voilà. On aura plus de temps. Une fois que le marathon va tomber, donc là on en est au 7, qui restera le 7 et le 8. Une fois que le marathon va tomber, bah, il va y avoir plein de slots de libre. Donc on pourra faire autre chose. Spoil pas. Mais je spoil pas, j'ai rien dit. Oh, elle est là, Destinova, qui était aussi à la... Et Destinova, bientôt on va montrer la petite vidéo qui a été concoctée par Sucre Moule de la TGS. Et il y a bien sûr Destinova. On va tous pleurer. Il y a des possibles, hein. Ça va toujours en vadrouille, il y a beaucoup de boulot. Oh là là, Eric. Oh, c'est la merdasse. On a tous des coups de moins bien au taf. Exactement. Mais il est trop bien, ton... Mais Elix, comment t'as fait ça, poulette? Comment t'as fait ça, Elix? What the fuck, 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 Elix? Comment t'as fait ce truc après ta phrase? Je vois qu'il y a des tirés du haut, il y a des slash, des parenthèses, un smile... Mais what the fuck, fuck, fuck. Comme des petites madeleines. J'ai les yeux partout avec les deux PC, mais je pense aux copains intelligents. Franchement, t'es un amour, Lucie. Merci beaucoup, Lucie. Mais t'embêtes pas trop. Ne stresse pas trop sur les trucs. De toute façon, moi, je répète toujours et toujours et toujours et toujours, toujours. Vous venez quand vous pouvez, quand vous voulez déjà, et quand vous pouvez. Donc, si vous pouvez pas, c'est pas grave. C'est pas moi qui vais vous embêter avec quoi que ce soit. Comment elle va, Destinova? Et puis il faut que je t'MP pour une coop. Yes!
Yes, yes, yes. Et hey, Lucie. Hein. Et Remix, Remix, t'as encore là, Remix? Est-ce qu'il est là encore, Remix? Salut ma chouchou Twinter. Oh, ma chouchou Twinter. Vénère. On fait aller, il y a des jours avec et des jours sans. Ben, c'est un peu comme moi aussi par rapport au taf et tout. C'est vrai que je suis pas super motivé. Ah, rien de particulier, hein, le travail habituel. Mais c'est vrai que les 4 jours, ça m'a fait un peu mal aux fesses. Donc je comprends que Gaëlle, elle ait pris aussi quelques jours pour se reposer. Alors si je pleure à la vidéo de sucre, je fais en sorte de revenir à Toulouse avant la fin de l'année. C'est pas vrai, Sarah. Et mais franchement, Poulette. Franchement, si vous avez besoin de... Après, ça dépend quand vous venez, mais si vous savez bien quand nous, on est en vacances, hein, on peut vous héberger. Ah, je l'ai trouvé sur une appli. Et je l'ai enregistré à raccourci clavier. Mais t'es trop maligne, Elix. Mais comment tu... Mais attends, mais c'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de malade. D'ailleurs, putain, j'oublie les... Oh, putain, J'oublie les nouveaux VIP, quoi. Oh là là là. Oh là là, j'oublie tout en ce moment, c'est la déchéance. Moi, je suis toujours là, je bosse ma... mais je suis présent. D'accord, t'es en astreinte, du coup, Remix. Non, mais après, est-ce que, Lucie, tu as fait... est-ce que tu as fait... Putain, c'était quoi le jeu, du coup, Remix, qu'on voulait faire ensemble? Putain, je me souviens plus. Grey quelque chose, non? Grey Hill. Grey Down. Grey Something. Joker Remix. Grinnell. Est-ce que tu as fait Grinnell, Lucien? Parce que je sais que t'aimes bien un peu Grinnell. Est-ce que ça te parle? Parce que c'est un jeu de coop. Et du coup, j'aimerais beaucoup faire la game avec Remix. Pas du tout. Ben écoute, c'est let's go. Grinnell avec Remix et Lucien Bou. Prévu bientôt, les loups. Après le marathon, bien entendu. Et tout ce qu'on a à faire en urgence. Qu'est-ce que vous en pensez, les loups? Ça serait pas cool, non? Le taf cette semaine, ça m'angoisse. Journée de dingue et soirée de dingue. Ouais, et du coup, ça va retomber à un moment donné, quand même. On fait aller, d'accord, ok. Donc, Destinova, elle est plus ou moins au taquet. Et bonsoir de Raline. Comment ça va, Raline? Comment ça va, ça va? Attends, hey Raline, je me souviens plus si c'est poulet ou poulette. Tu me dis, hein. Ah oui, mais si je pleure... si je pleure, attention. Ah, si tu pleures, il faut que tu viennes à Toulouse, hein. Je pense que Ninipoud, elle va pas cracher dessus, hein. Xépa! Le verlan d'Apex. J'en ai d'autres. Mais Elix, c'est trop mignon, on dirait un hibou, là. Coucou Cindy, comment ça palette? Palette, moi, n'importe quoi. Poulette. Ah, mais Angela, là aussi. Mais c'est truc de ouf. Akira, Winter Sky, je pose une question juste comme ça. Vous prenez les 2 jours ou un seul jour pour la TwitchCon? On prend le samedi, du coup, Luffy's. Et après, moi, j'arriverai la veille et je repartirai le lendemain, Luffy's. Voilà. Donc, en gros, vendredi soir, je serai là, à Paris, et samedi soir, je serai à Paris aussi. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Et Winter, elle va essayer de rester une nuit. Mais peut-être ça va être difficile, donc peut-être qu'elle va devoir rester 2 nuits. Moyennant finance. Cette semaine est en DAX, ok. Bon, bah écoute, on va en tout cas te souhaiter vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de courage ici pour cette semaine. Et ensuite, bah écoute, on te verra encore plus forte la semaine prochaine sur Apex! C'est une poulette, Radine. Allez, coucou poulette, comment ça va, Radine? Bah écoute, ça va super bien, Cindy. Pas super bien bossé aujourd'hui, mais tout va bien. Pas super motivé pour bosser en ce moment. Putain, Elix, elle a balancé tous les raccourcis clavier. Mais du coup, c'est quoi? C'est des scripts? Comment ça marche, Elix, du coup? Sarah, Sdom, c'est non. Oui, mais des BD avant. Ah, j'ai pas vu, du coup, ce qu'elle a dit, ça. Du DBD. Resort, t'as fail. Heureusement, tu étais pas là cet après-midi. Hein. Ah ouais, putain, sur Hollow Knight. Ah, il a réagi, Resort. Hein. Il a dit que c'était le jeu le plus nul qu'il avait joué. Hein. Je vois Remix. Oui! Alors, je sais pas ce qu'il a dit, Remix. Mais oui, let's go. De nuit, vendredi, samedi. Bah écoute, du coup, Winter et moi, on sera les 2 nuits, du coup, à... Voilà. Mais par contre, on ira que le samedi. Voilà, pour répondre à ta question. Donc, les personnes qui vont à la TwitchCon ou qui habitent en région parisienne et qui veulent, du coup, rencontrer la E-Team, nous serons présents, du coup, vendredi soir et samedi soir. Et à la TwitchCon, on y sera samedi toute la journée. Voilà.
Mais je veux vous voir. Let's go, Cindy. Ben viens à la TwitchCon aussi, Poulette. Si besoin, je peux héberger pour la TwitchCon. Arrête, Lucie. C'est pas vrai. Arrête, Lucie. Arrête, tu peux m'héberger? Tu peux héberger Winter et moi? Parce que si je vais passer le case, je suis le plus heureux du monde. Hein. C'est très complet. Merci à tous les deux. Ok, ça marche, Oufis. Après, honnêtement, je veux bien me sacrifier et aller chez Kaz si tu peux héberger, par exemple, Winter et Wolfies, par exemple. Ou d'autres personnes qui viennent, hein. Moi, ça me dérange pas. Enfin, c'est mes petites fesses qui vont morfler, mais tout va bien, quoi. Écoute pas Destinova, je suis un mec avec une belle paire. Hein. Mais tu peux être une meuf avec une belle paire aussi, Raline. Eh ouais. C'est des caractères spéciaux sur plusieurs claviers en plusieurs langues. Et les gens en ont créé plein, et j'en ai quelques-uns raccourcis. Ah ouais, mais ça c'était trop mignon, Alix. Ah ouais, putain, mais Angèle, elle en a plein aussi. Akira, t'as vu la vidéo du Metal Gear Delta? Ah non, j'ai pas encore vu du coup, Eric. Mais pas encore du tout. Bah tu verras bien la prochaine fois. La prochaine fois, what the fuck, fuck, fuck. Ah, s'il y a une prochaine. Non, pas le sou, mais le samedi soir, on se mange un truc. Ok, bah écoute, Cindy, moi je peux loger. Je vais voir avec Bibou. Mais t'habites en région parisienne, Cindy? Les loups, franchement, Cindy, si tu viens au resto, mais ça serait génial. Ça serait génial. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui ne pourront pas venir à la TGS, qui trouvent que c'est excessif, et je les comprends bien, mais qui seront là le samedi soir pour le resto. Donc je me dis, franchement, si on fait une tablée de 20 personnes, ça va être un truc de ouf. Parce que là, honnêtement, les loups, il y a moyen de faire une vingtaine de personnes, hein, déjà. Pauvre Kaz qui voulait être traité comme une princesse. Ouais, mais honnêtement, ça me fait transpirer du cul hein, de dormir chez lui, hein. Et vraiment dans le sens littéral du terme. Wolfies, elle n'a pas besoin d'hébergement pour TwitchCon. Pourquoi? Pourquoi? Et chère Aline, je vais te soulever, toi. Qu'est-ce qui se passe entre Aline et Destinova, what the fuck? Demande à Kizu, il te dira... tu diras ce que j'ai bien avancé, hein, ok. Oh, merci pour le Cindy. Resto, let's go pour le resto, ok, ça marche. En tout cas, les loups, n'oubliez pas qu'on sera à TwitchCon. L'iTeam sera à TwitchCon, du coup, le samedi 8 juillet. Donc, si vous avez l'occasion de venir nous rencontrer, n'hésitez pas, hein, même si, par exemple, c'est juste pour boire un petit coup en sortant de la TwitchCon ou juste faire un petit coucou, se faire des hugs et se prendre des photos, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu veux en trouver, ça s'appelle comme ceci. Salut, Cucremoule. Ok. Emoji en ASK art appelé Kaomoji ou encore émoticône japonaise. Ok. Kikou de l'ombre, tout va bien. Moi aussi, je suis du cul. Et par contre, j'ai allumé la clim. Hein. J'ai allumé la clim. Pour ce soir, on a la clim. Donc, je me sens bien. Il est là, Sucremoule. Il est là, mon petit chouchou. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire un SO pour Sucremoule? Parce que Sucremoule a fait la vidéo de la TGS. Donc, il a fait la vidéo de la TGS. Donc du coup, on voit tout le monde, sauf les personnes qui n'ont pas autorisé, voilà. Il a choisi voilà, les plans qui permettent de garder la vie privée de certaines personnes, comme les enfants par exemple. Voilà, Sucremoule, un petit shout-out pour Sucremoule, mon petit joujou streamer, qui nous a fait une vidéo de 1h30 et Sucremoule. Et j'ai eu la petite larme à l'œil à la fin de la vidéo, mon poulet, je dois te le dire. Donc encore merci et honnêtement je vais essayer de trouver un moyen de te remercier gracieusement Sucremoule. Donc voilà, attends-toi à recevoir un cadeau, de toute façon j'ai ton adresse. Donc voilà. Il est gentil Kaz, ou pas. Alors ce qu'on peut faire Lucie, tu peux peut-être nous laisser ton appartement et tu pourrais peut-être effectivement aller voir ce qui se passe chez Kaz quoi, tu vois. Juste pour voilà, tester le terrain, tu vois ce que je veux dire. Et comment tu vas toi Lilou du coup? À part que tu sues du cul. Quand tu veux Raline. Ah voilà, ça a fighté là. Ah ça a fighté entre Raline et Destino. Hein. Donc je rappelle effectivement que j'ai une vidéo qui a été faite par Sucremoule de 8 minutes 30. Et oui, 8 minutes 30 dans lequel on voit des personnes de légende. Il y a du Remix, il y a du Nini Pood, du Winter Sky, du Foise, du Dentifrice. Il y a du Tenno Kami, il y a Cobra Sampa, il y a Destino, ben vraiment un truc de ouf, un truc, il y a Sucremoule, il y a Ozik Sara, il y a la modération, enfin vraiment un truc de malade. Donc voilà, donc je vais faire un sondage sur Discord pour savoir quand est-ce que vous seriez dispo
une soirée dans laquelle on passera la vidéo un petit peu en boucle et dans laquelle j'inviterai tous les participants de la TGS de la E-Team à venir un petit peu raconter des anecdotes, partager un peu leur sentiments de voilà, comme ça, ça permettra de finaliser cet événement TGS, car le prochain événement c'est la TwitchCon, bien entendu, dans lequel je ferai un live, parce qu'apparemment c'est autorisé, je peux faire un live sur place. Donc après il y aura beaucoup de streamers, donc ça peut être assez sympa. Et d'autre part, il y a la TGS de novembre, voilà, qui se profile. Donc pas mal de rendez-vous. Je pense que je viendrai boire un verre sur le resto, dépendra des timings et des trains pour rentrer chez moi. Ok, ça marche, c'est pas de problème, Poulette. Ok. Avec grand plaisir, Elix. Franchement, ça ferait super plaisir, Elix, de te voir. J'ai tellement écrit ton pseudo comme ça qu'il est enregistré dans mon correcteur sucre moule. Exactement. Ah, mais tu l'as déjà vu, toi? Eh ben oui, je l'ai vu parce que... En fait, j'étais obligé de le voir, Winter, pour la simple et bonne raison que je voulais... J'ai confiance en sucre moule. Mais je voulais quand même m'assurer que voilà, il n'y avait pas de problème particulier. Sucre moule a bien fait les choses, donc je peux le confirmer. Donc, je l'ai vu une dizaine de fois. Mais une onzième fois ne me gênera pas du tout. Moi, Kaz m'a traumatisé en vocal. Ben écoute, Razor, à la limite, t'as qu'à venir aussi à la TwitchCon aussi, mon poulet. Et du coup, tu pourras dormir chez Kaz avec moi si ça te dérange pas. Tu l'envoies dans la gueule du loup. Mais non, t'inquiète pas, Lucie, ça va bien se passer, t'inquiète. D'ailleurs, Lucie, on va pas plus t'embêter parce que je sais que t'as beaucoup de boulot. À la convention TwitchCon, il y aura le président Twitch, Dan Clancy. Ah ouais? Et tu vas y aller, toi, Eric, d'ailleurs? Ben, la région parisienne, c'est assez grand, mine de rien. Allez, Wolfies, let's go. J'habite loin maintenant. Ah ouais, t'habites où du coup, Wolfies? Enfin, la région quoi. On n'est pas encore sûr qu'il passerait. Ok, d'accord. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas comme si j'habitais genre à Lyon ou à Lille et que tu voulais aller sur Paris. Exactement, si t'es à côté, tu peux venir. Le spécial pour Akira Fun. Eh oui, le smile moustache ou le smile de la rage? Oui, c'est sûr, mais c'est pas comme si j'habitais. Non, ça j'ai lu. J'ai deux fois de place, donc une fois de place potentiellement dispo. Ok, let's go. Moi je dormirai chez Kaz, donc Winter, pense-y hein, du coup Poulette. Hein. Si tu veux y aller avec des marauds et économiser le prix d'hôtel, hein, vu que c'est pas donné, hein, ça peut être sympa. Et en plus, Lucie, elle est plus fliable que Kaz, hein, parce que Kaz, j'ai envie de te dire, dès que je vais me retourner, je vais sentir les bigoudis quoi. Par contre, je vais pas être très actif sur le chat à mon dos, car je tape avec ma main gauche et je peux quasiment pas utiliser ma souris. Qu'est-ce qui t'est arrivé du coup? Vu que j'ai Atel à la main droite. Désolé Sarah Winter, mais qu'est-ce qui t'arrive, maman géniale? J'ai pas lu ce qui s'était passé du coup à ta journée. Je sais pas si tu l'as dit. Je regarde parce que... Mais je crois pas avoir vu une réponse, maman géniale. Qu'est-ce qui t'est arrivé du coup, Poulette? Ouais, je crois pas avoir vu de message. Et puis vous verrez Destinova aussi, hein? Hein, Raline? Attention, tac. Kikou de l'ombre. Sucre moule, il a le présent. Oh, mais non, il faut pas, Kira. C'est avec plaisir et amour que je l'ai fait. Non, t'inquiète pas, franchement, tout travail mérite un salaire, donc il n'y a pas de problème, sucre moule. Je te ferai un cadeau. Un cadeau de la E-Team. Tu le. Ok. Tac, je lis. J'avais un peu de retard. Tac. Ok, c'est bon, j'y suis. Ça marche, je te tiens au courant, merci. Il faut qu'on se fasse un truc tous ensemble sur Lyon. Let's go, Zix. T'inquiète, je suis plus sur Twitch que sur mon quoi? Ton dégâts. Mais moi, je suis sûr que Kaz, c'est un bisounours. Kaz, tu vois, quand je parle à Kaz, je pense plutôt à ça, tu vois. Je vais te mettre une petite musique, voilà. Je vais coucher les enfants et je reviens rester sage, sinon c'est la fessée. Tu as déjà fait le remake de RE4? Ouais, je l'ai fait, Raline. J'ai fait le 0, j'ai fait le 1, le remake du 2, le remake du 3, le remake du 4, Révélation 1, Kazuné, 2, le 5. On a fini le 6 hier soir avec Winter Sky, d'ailleurs, on s'est régalé. Il sent la rosée du matin. Et d'ailleurs, sa peau est douce comme de la cire. Il a une très grosse moto. Et surtout, il est pété de thunes. Purée, il me fait trop rêver, le bougre. Kaz, j'en peux plus, par pitié, envoie-moi ton 06. Bisous sur ta fesse. Oublie pas, fais du blanc chez Kaz. Je peux te dire qu'en fait, je vais être comme ça, tu sais, comme ça, tu sais.
J'ai une suspicion de tendinite au poignet droit avec un mois d'attel. Oh là là, tendinite, en plus ça dure longtemps, moment génial. Oh putain, en tout cas, bon courage à toi, Poulette, avec tes enfants. Du coup, avec ton fils et tout, ça va être compliqué. On se voit cet été avec Raline. Mais attends, vous sérieux? Vous allez vous voir où, du coup, des Sinova à Toulouse? Ah, si vous êtes à Toulouse, il faut m'inviter, les loups. Moi, j'ai déjà fait cette année, en juillet, je serai au Japon. Si ça se fait plutôt en août, je viendrai à la TwitchCon. Ok, ça marche, Eric. Franchement, si tu vas au Japon, déjà, un, tu vas te gaver. Parce que au Japon, on en a parlé avec Winter Sky, ça serait vraiment le pays que j'aimerais beaucoup visiter. Oh yeah. On va voir le Haki en Z le samedi. Et ce sera du no make-up. Exactement, let's go, Lucie. Ouais, le samedi, surtout si je dois le vendredi soir chez Kaz, ça va être chaud. Il vient une semaine chez moi. Ah! Ah! Cette chanson, je la dédie pour Raline et Destinova. À leur future rencontre, à cet amour qui va certainement naître dans les yeux de Destinova, après avoir attendu si longtemps le regard de Kaz. Mais c'est aujourd'hui que nous apprenons que Raline, qui a une belle paire, hein, c'est lui qui nous l'a dit, va passer une semaine chez Destinova. Et de là, peut-être, nous aurons des bébés Destinova et des bébés Raline, des Destinarines ou des Ralinova, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens que ça va bien se passer. Je t'envoie plein d'amour, Destinova. Je t'envoie plein d'amour, Aline. Oh oui. Ça va faire bing bam boum dans la Benz Benz Benz. oublie pas la combinaison de ski et le passe mental pour dormir. Ah ouais, franchement, chez Kaz. D'ailleurs, Winter, du coup, Winter, tu peux venir en vocal, Poulette. Je rappelle que du coup, on avait joué en gros, si je meurs, elle me pose une question. Et inversement, et donc du coup je lui dois une question, donc voilà, elle va venir en vocal et elle va me poser la question qu'elle veut et j'y répondrai du coup. Oui, que du love, exactement. Moi je l'aime pas. Comment ça tu l'aimes pas, Raline? Non mais ça, je m'en convaincu, je quitte ma femme pour Desti, hein. Let's go Raline. Eh, mais attends, mais Raline, mais on s'était pas rencontré à TGS, mon poulet? Pourquoi tu veux que tout le monde fasse des bébés, hein? Ben, je sais pas. J'aurais ça l'heure, je vais plus tard, ça marche, le chromoule. Merci, Poulurk. Tu voulais pas venir, Akira? Let's go! Il faut agrandir la team inconsciemment. Ton message m'a convaincu, ok. J'ai pas d'idée. Attends, je réfléchis. Non, jamais, mort de rien. Et après, on part sur Resident Evil 7. Alors, vous savez quoi? Je vais lancer Resident Evil 7, en tout cas, les loups. Voilà. Et je vous rappelle effectivement qu'on a la vidéo de la TGS que je passerai sur l'un des lives. Je lancerai un sondage sur Discord. Donc, si vous n'êtes pas sur Discord, vous pouvez faire point d'exclamation Discord et vous jeter dessus pour déterminer voilà vos disponibilités sur les semaines à venir. Ok? Do you comprend this? Baby Besh, attendez, alors on va lancer le jeu. J'espère que j'ai téléchargé, hein, par contre. Oh, bah, c'est bon, j'ai téléchargé. Ouais, let's go. Resident Evil 7 Biohazard. Let's go. Il est 22h. J'ai pas lancé le live. What the fuck, 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 man. Eh ouais. C'est R7 qui m'a donné l'intérêt pour avoir un général. C'est vrai, Elix? Et qu'est-ce que tu as aimé le plus? Est-ce que c'est ton préféré, du coup, Elix? C'est pas le blanc que tu as vu, il est parti voir sa copine pendant un mois à la Nouvelle-Calédonie. Ok, d'accord. D'accord. Donc, du coup, tu vas partir à la Nouvelle-Calédonie, du coup, c'est ça que je comprends bien. Merci, excuse, merci pour le Discord. Allez, let's go. On attend ma chouchoute, hein, sur, en vocal, le temps qu'elle trouve une question. Et on part sur Resident Evil. Mange ta banane chez Akira Fun. Et tu peux le faire tout nu. Et tu peux le faire tout nu, exactement. Je réfléchis, ok. Alors, attends, c'est normal si ça lag. Ok, let's go.
En fait, quand ça lag, j'essaie de pas bouger pour pas voir qu'il y a trop de lag, en fait. Ouais, c'est normal, parce que j'ai lancé le jeu, en fait. C'est normal, c'est normal. C'est normal, j'aurais dû lancer avant le live. Bientôt, on aura plus de problèmes avec le double PC. Lucie va chercher une banane. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. Bah, je vais en chercher une aussi. Hein. Allons chercher une banane, let's go. Et je te lis juste après, Lix, hein, si ça te dérange pas. J'arrive tout de suite. Par contre, il faut pas que je me lève, parce que littéralement, je suis en moule beat. Là, je peux faire tout de suite vous le dire. Je suis en moule beat. Voilà, je suis en calbar. En slip kangourou. Donc, attention. Salut Nini Poud. Et rebonsoir à tous et à toutes, salut Nipoud, à poil! Il n'a pas de banane. Ah, moi j'en ai une, regardez, j'ai du coup la banane. Attention, c'est parti, petit jingle. Bonsoir. Bonsoir Winter. Comment tu vas, Poulette? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super, super, super. Franchement, hier c'était extra, extra. Je sais pas ceux qui étaient présents hier. On s'est posé plein de questions tout au long du live. Je trouvais ça super cool, interactif. Enfin, j'y ai posé. Ouais, je suis beaucoup mort. Ouais, mais putain, c'est parce que j'avais le clavier souris et le jeu n'était pas optimisé pour le clavier souris aussi. Ah oui, ouais, ça doit être ça. Quel bâtard. Mais c'est ma chouchoute quand même. Alors, est-ce que tu as réfléchi à une question, Winter? D'ailleurs, on peut faire un shout-out pour Winter Sky, s'il vous plaît, ma petite chouchou streameuse. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit SO, Sarah? Allez, je t'écoute. Et après, je lis Elix. Allez, alors... Il va y avoir, ça va peut-être être deux questions. Déjà, est-ce que tu as fait un escape game dans ta vie? Sinon, tu fous pas ta pouffe. Attends, je regarde. Ça met super longtemps à cuire. Attends, je sens que le SO passe. Je rêve ou j'ai entendu ne fais pas ta pute? Quoi? What? Quoi? T'es quoi sur la soupe de la mort? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir parce que je suis sur mais téléphone. C'est quoi, mais c'est quoi ce shout-out? Je rêve ou elle a dit ça? Elle parlait de Patapouf, son chat. Attends, mais j'ai entendu, ne fais pas ta pute. Non, il y a un clip où je disais ça, qui a été clippé par toi d'ailleurs, et je l'ai supprimé. Oh, tu m'as mis une balle dans le cœur. Ouais, mais attends, en plus je le dis à des marrons, mais je me dis, si ça tombe sur une personne qui me connaît pas, genre ça fait hyper vulgaire, tu vois. Mm-hmm. Enfin. J'ai gardé d'autres clips de toi, t'inquiète pas. Heureusement que je l'ai préenregistré quelque part. Bref. Oui, bah, certainement, ouais. Alors du coup, ta question était, est-ce que j'ai déjà fait un escape game? J'ai envie de te dire oui, j'en ai fait plein et j'adore. Ah ok, et quel a été ton préféré du coup? J'ai dit qu'il y a deux questions. Mon ton préféré. Style préféré et quel a été ton préféré? Alors franchement, j'en ai fait pas mal, j'en ai beaucoup de préférés. C'est quoi ton style alors? Plutôt horreur, plutôt énigme? Horreur. Ah ouais? Horreur. De toute façon, dans tous les cas, il y a des énigmes, mais horreur. En fait, quand tu rentres dans une pièce, la pièce elle est lugubre, t'as une table de Ouija au milieu. Et en gros, tu dois sortir la pièce en moins d'une heure. Ok, d'accord. Ouais, donc voilà. Ça a déjà fait un paquet. Ouais, donc et c'était énorme, énorme. À un moment donné, je te jure, Poulette, tu peux ouvrir en gros dans une porte un trou et tu dois passer ta main. Dans la porte de la pièce où il fait noir. Ah mais j'en ai fait un et ouais, pour le coup, il y avait des trucs, il y avait des dingueries. Des dingueries. Des trucs comme ça.
des dingueries. Et salut Titus et salut Nipoud. Bienvenue à vous Lilou, j'espère que vous allez bien. Et ouais, j'adore, j'adore. Et d'ailleurs, avec Nini Poud et Dadou, on va se prévoir, parce que Audrey aussi, donc ma chérie, elle aime beaucoup aussi les escape games. Donc du coup, on va essayer de s'en faire un. Mais par contre, la prochaine fois que tu viens, ou si on a l'occasion, que ce soit à Marseille ou à Paris, ou peut-être nous on se voit de partout, ouais. Bah, j'ai envie de te dire let's go, hein, Poulette. Parce que j'adore ça. Ok, bah c'était... Et si je dis pas de bêtises... À Marseille, ma sœur, elle a travaillé dans un truc où c'était l'essence. Et en gros, tu rentres, t'es dans le noir, tu dois goûter à des choses ou tu dois toucher à des trucs. Et en même temps, t'as des énigmes et t'as plusieurs, c'est un peu de la coop. Je sais plus comment ça s'appelle. Dream quelque chose. Ouais, c'est possible. Et elle m'a dit que c'était génial. Où tu t'es, voilà, en gros, tu vises chacune de tes sens. Pas tous, mais voilà, du coup, le goût, l'odorat, le son, le goût, c'est, ça peut être particulier, mais bon. Ouais. Mais donc voilà, je pourrais te le dire. Donc, du coup, bah écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question, Poulette. En tout cas, merci encore pour hier soir, c'était vraiment, vraiment cool. Ce soir, on fait le Resident Evil 7 que tu as fait et que tu aimes bien, apparemment. Que j'ai fait une première fois et que j'ai fait une deuxième fois en VR, ouais. Très très cool. Oh, tu l'as fait en VR? Mais what the fuck, fuck, fuck! Ah, il est en VR. Regarde, imagine, tu verras au fur et à mesure pendant le set. Rappelle-toi les. Comment dire? Les mouvements, etc. quand il te chope. Imagine en VR. Et il est trop. Il est très bien optimisé pour de la VR. Je vais pas faire du spoil, mais effectivement, à un moment dans les escaliers, c'est chaud. Alors. Si c'est la scène que je pense, j'ai mis un coup de pied en avant et j'ai mis un coup de pied. Et t'as cassé qui hein? T'as cassé des marrons ou t'as cassé le mur hein? Bah, il y avait des marrons qui passaient, j'ai mis un coup de pied en avant parce que j'ai. Non, un coup de poing, j'ai eu peur. Et bon, un petit, tranquille, tu vois. Sauf que lui, il passait devant. Mais c'était un coup de poing de forêt, non? Non, non, ça va. Non, c'était un petit réflexe. Un réflexe très long, en fait. Elle a fait ça, grave maga, tu sais. Ah non, mais là, c'était vraiment le réflexe. Mais le moment où tu y arrives, je te dirais, c'était là pour que tu t'imagines en VR. Ça marche. Et écoute, encore merci, Winter. Je te fais un gros bisou, un petit joujou. N'hésitez pas à aller voir un petit joujou streameuse. Hein. Elle est adorable. Et franchement, encore merci pour hier. C'était super cool. Ouais, c'était cool. Plein de gros bisous. Bisous, bisous. Et Dix, le 7 et le 8, c'est ceux que je connais le mieux. Et je sais que c'est mes préférés parce que le plot des deux est si riche et j'aime pas des zombies. Et ceux-là, on en a beaucoup moins. Donc oui, je dirais que c'est ceux que je préfère. Mais toute la franchise est fascinante. Ok. La musique est incroyable du 7. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, graphiquement, je sais pas si ça a pas morflé un petit peu quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, il a parlé de Patapouf. Ok. Comment va le Titus? Excellent ça. Je vais faire un escape game horreur pour mon anniv avec mon chéri, mon papa et mon beau-père. Tu vas te régaler, Elix. Alors, Elix, je sais pas si t'habites en région parisienne, mais si jamais tu y es, je pourrais te conseiller des escape games si t'aimes ça. Parce que j'ai habité en région parisienne, donc je suis allé à pas mal d'escape games à Paris, dont un, franchement, il faut vraiment que tu le fasses, Poulette. Tu me diras peut-être en MP, ou tu peux me dire sur le chat, celui que tu vas faire s'il y a déjà un lore. Mais moi j'en connais, mais de ouf. Dans ma vie, il y a un escape game Harry Potter. Je l'ai pas encore fait. Il faut que tu cours, sinon on va let's go. Un coup de poing qui venait de Dallas, Texas. Exactement. Un coup de poing qui venait de Dallas, Texas. Mais what the fuck? What the fuck, fuck, fuck? Mais c'est un copier-coller de ce qu'a dit Ice Cube. Salut Mancy. Comment tu vas, Mancy? Donc graphiquement, le 7, ça va encore, non? Ben, je sais pas, on va voir. Je viens de penser dans les Bougeronnes, t'as un escape game en forêt avec les tueurs des films que tu cherches, qui te cherchent. Ouais, mais ça, en fait, il y a l'Apocalypse Z qu'on a rencontré à la TGS d'ailleurs en novembre et là, qui font à Montpellier, pareil, une chasse. En fait, ils lâchent des zombies et en fait, en gros, c'est un parcours avec des énigmes, tout ça en plein air et t'as des zombies qui, en pleine soirée qui t'attaquent en fait. Donc ça peut être très dangereux. Enfin moi ça me fait un peu peur parce que je me dis, imagine le bénévole, il est complètement cinglé, le mec il te stab avec un couteau quoi. Enfin bon, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais c'est chaud quand même, non? Un coup de poing freiné, c'est ça. Y en a à Gare de l'Est qui a pas mal des mécanismes dans ces énigmes, c'est top. Tu connais aussi Wolfie du coup?
J'ai trop hâte. Et oui, je suis en région parisienne. Donne les infos. Je connais pas où on va parce qu'ils veulent pas que j'en sache trop. D'accord, ok. Mais c'est pour ton anniversaire, tu m'as dit, du coup, Paulette ? Ah, pour ton anniversaire. Mais c'est quand ton anniversaire, Elix ? Et salut, Dortez ! Je suis curieuse. Ah, ben là, franchement, Winter, je te dis, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Un truc de dingue. Oui, depuis novembre dernier, il y a ça, mais j'ai pas eu l'occasion encore. Mais franchement, il y a plein de trucs, les loups. En fait, j'ai envie de faire plein de choses, mais c'est vrai que avec les enfants, c'est un peu compliqué. Donc, en tout cas, on ira avec Nini Poud et Dadou, bien entendu, à Toulouse. Et bienvenue à Mancy. Comment tu vas, Mancy? C'est début septembre, et cette année, ça tombe un samedi. Ok, Lix. Tu pourras me donner. Tu pourras venir le jour de ton anniversaire, on te fêtera ton anniversaire. Pas rentrer non plus dans les détails des dates de naissance si t'as pas envie de partager. Let's go sur Resident Evil 7 Biohazard. Biohazard. Let's go. Bon, normal hein, quand même. Mais mon père a tellement un emploi du temps de ministre, il faut s'y prendre à l'avance. Oh! Oui, bien sûr, je passerai vous voir le samedi 9 septembre. Let's go! Est-ce que Ice Cube peut noter l'anniversaire d'Elix? J'ai trois moustiques qui me tournent autour. Je sens la provocation, Ecuse. Allez, on regarde un peu là. Donc là, on a Mia, du coup, qui envoie une vidéo à son chéri. Son chéri s'appelle Ethan. Même pas peur le jeu, c'est vrai? Tu l'as fait ta titu celui-là? Tu devrais installer le bot sur Discord pour que tout le monde mette son anniversaire et avoir un message pour venir jouer au jeu. Ouais, j'ai tellement de trucs à faire, j'ai tellement pas le temps, excuse moi tu. Il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à gérer le Discord. Parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça arrive en masse et. J'en sais rien. Et c'est vrai que c'est difficile. Comment c'est difficile de gérer le Discord? Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. Oh, double raid! Bande de bâtards. Devi. Devi en Louisiane. Les Je sais, mais si c'était bien elle, tu vas en avoir le cœur. Ça va, tu lui feras de gros bisous à Tenokami au fiston. J'aime trop le prénom Ethan, c'est trop beau. J'ai mon petit neveu, il s'appelle Ethan. Et ça lui va trop bien, en plus un petit schnau et tout. Après en vrai j'y connais rien en Discord. J'ai vu des trucs mais j'ai aucune idée où trouver ça. Il faut que je me renseigne du coup, mais ça prend tellement de temps. Même à demander ça prend du temps. Déjà Winter elle m'a expliqué comment du coup on postait sur Instagram en partager, je savais même pas qu'on faisait pour partager. En tout cas bienvenue en Louisiane, on est à Dulvey. On est Ethan Winter, la famille de Winter Sky, le frère ou la sœur, je sais pas. Par contre, je trouve que c'est gênant, non? Il est pas... On dirait pas que le champ de vision est un peu raplapla. Putain, par contre, on sent déjà la moiteur de l'environnement, quoi. Hein. Vous voyez bien, vous? Dites-moi, les loups. Le son, tout ça. Moi, j'ai entendu dire « Pouah, pouah, pouah !» Du coup, voilà, let's go, Razor! Il est là, toujours présent, Razor. En tout cas, merci pour ton raid de tout à l'heure. N'hésitez pas à voir Razor Prods, hein, il est en train de jouer à Hollow Knight en ce moment. J'appellerai mon gosse comme ça. C'est vrai, Winter? Putain, mais là, tu nous envoies une exclu de ouf. Mais tu nous envoies une exclu de ouf. Est-ce que du coup, ça serait pas dans 9 mois? Enfin, dans 6 mois? Dans 7 mois? Si, on dirait qu'il y a un flou. Attendez, on va regarder du coup dans les options. Ok, j'ai mis 60 Hz.
plein écran, champ de vision, bah, je mettrai 90 peut-être. Framerate, on va laisser à 60. Qualité ultra, netteté de texture. La motion blur, on va l'enlever. On va enlever le motion blur, c'est dégueulasse, je crois. C'est peut-être ça, en fait. Qualité des ombres, max. Ouais. Ouais. Je pense que ça va aller mieux, là. Vire la V-Sync. Je vire la V-Sync. Ah ouais? Mon PC, il va morfler, là. Ouais, mais moi, ça me fait des trucs chelous en avant la V-Sync. Ça... Là, on dirait que l'écran, il est séparé en deux. Je suis obligé de le remettre, peut-être. Oui! Ah, ce jeu de nul! What? Sur tel, ça va, ok, d'accord. En vrai, il en a chopé un la dernière fois, j'étais fier. Oh! Je fais que passer rapidement sur live, ça va pas trop l'amplitude, je fais des gros bisous. Vu que t'as bloqué les FPS à 60, ça sert à rien. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'en fait, quand je faisais ça, ça me faisait une déchirure de l'écran. Vous le voyez pas, mais moi, ça me faisait une déchirure sur mon écran. Bah ouais, je sais pas. Allez, let's go, Lilou, en tout cas. Bienvenue sur Resident Evil 7. Un de mes préférés, Lilou. Alors, je sais pas si c'est l'un de vos préférés, mais moi. Personne. Et si c'est trop sombre, vous me le dites aussi si c'est trop sombre, Lilou. Après, je vais peut-être rester à 80. C'est bizarre, en fait, ça me donne envie de les jeux de gerber. 90, c'est ce que je joue sur Apex. Top 3 RE7, pareil, top 3 RE7. Dans le top 3, je mets le remake du 4 et le 1. Et je mettrai en 4ème position le remake du 2 aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait une cassette vidéo. Vous vous rappelez, il y avait une démo, les loups. Je sais pas si vous vous en rappelez. Une démo, en fait, il y avait des journalistes. Ils étaient trois et ils rentraient dans cette maison. Et en fait, il leur arrivait des trucs atroces. Un peu comme dans le film d'horreur où en fait, il y a des jeunes qui se filment et ils vont dans des tentes dans la forêt. Ils n'arrivent plus à trouver leur chemin. Je dis que c'est flou depuis tout à l'heure. J'ai le stream en 480p. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, Ice Cube. Mais on peut pas dire que tu es un débile, c'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Ok, schedule. Proposition de projet, s'introduire dans une maison fantôme à Louisiane. Ah ben voilà, ben eux ils sont tous morts. Rejoins-nous. Ok, let's go. Ok, accepte le don. Disons que j'ai quelquefois des chutes de QI. Là, c'est un peu comme les FPS. Ok, là, c'est chaud par contre, des loups. Oh, ça pue la mouche ici. Par contre, moi, je pense que ça a pris un peu cher graphiquement. Hein. Parce que je suis... À moins que j'active l'HDR. Et si j'active l'HDR, ça va pas partir en couille. Je sais pas si je peux le faire en fait. Le ray tracing, non. Bah. Moi je trouve pas ça super beau. Hein. Oh, Monsieur Baker. Monsieur Baker. Alors au début j'avais peur, mais c'est vrai que maintenant, comme je connais un peu le jeu. En vrai, il est beau encore ce jeu, tu trouves?
Ouais, ça va, mais... C'est vrai que quand tu joues au remake du 4, le remake du 4, il est quand même dingue de chez dingue, hein, les loups. Le remake du 4, il est mortel. Ouais, moi, je trouve que le foliage, il est un peu... Ouais... On va se faire peur avec les pigeons, si je me rappelle bien. Apex ! Apex ! En vrai, si on s'attarde sur les textures, les détails et tout ça, ça vieillit, mais la direction artistique rattrape quand même énormément. Ah oui, oui, ça par contre. Ça, je te cache pas que... Oh là, on se rapproche de la maison. Voilà, par exemple, je trouve pas ça super beau, quoi. Pourtant, tout est à fond, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, on est tout à fond, quoi. À part les FPS, qualité ultra, quoi. Max, 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 max. Ouais, on est au fort, à fond. Boo Hollow Knight. Après, il y a Leon dans le 4. Ça embellit. Hein. Oh là là, ça y est, elle commence avec Leon. J'en peux plus déjà. Leon, exactement. J'ai décidé que je ne répondrai plus à ta provocation, Razor. Genre, tu le prononces à l'américaine. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, ouais. Hey, Leon. Ada, Leon. Barry. Sherry! Baker! Oh là, il va se passer des trucs dégueulasses, non? Ah oui, c'est le sac de sa chérie, je crois. Ou pas? Bon, on va pas y aller, hein. C'est pas un Baker qui veut nous faire peur, là. Je me rappelle quand j'avais commencé le jeu pour la première fois, j'ai vraiment flippé de chez flipper les loups. Parce qu'en fait sur Resident Evil, à l'époque, quand j'ai attaqué Resident Evil 7, j'étais sur console. Et sur console, il n'y avait pas beaucoup de jeux d'horreur psychologique. Hein. Je pense que les personnes peuvent le confirmer. Il n'y en avait pas des masses. C'est vraiment sur PC hein, que ça c'est devenu abondant. Et donc du coup, Resident Evil 7 se rappelle plus d'un jeu d'horreur psychologique. Alors ça reste un survival horror aussi, bien entendu. Mais ils ont repris beaucoup de Pity, hein. Je sais pas si vous en souvenez du Pity, hein. La démo de comment il s'appelle, du japonais, hein, qui devait faire le Silent Hill, celui qui a fait pas mal de super jeux de ouf, Kojima exactement. Et donc du coup sur Pity, c'est vrai que le jeu est insane, c'est le genre de jeu d'horreur que je fais habituellement, et d'ailleurs qu'on va reprendre dès la fin du marathon. Et c'est vrai qu'ils se sont bien inspirés de ça, Capcom. D'accord, et ça va rester noir comme ça? Comment ça se passe? Ah ouais, là, je vais me faire défoncer, je crois. Je vais ouvrir la porte et je vais me faire défoncer, si c'est pas de bêtises, non? Ah ouais, là, c'est pas pareil. Ah ouais, là, c'est pas pareil, là. J'ai envie de faire une emote et de la spammer ici. Vas-y, let's go. Non, en vrai, j'aime beaucoup le jeu, même s'il m'énerve vraiment. Pitié, à un moment, on décroche le téléphone, on entend une espèce de râle au bout de la ligne. Ultra malsain. Je spoil, vu que la démo n'existe plus. C'est incroyable. J'étais vraiment mal à l'aise avec ce son dans le casque. Alors, excuse-moi, moi, je ne l'ai jamais fait. Il y a eu pas mal de Pity-like qui sont disponibles, d'ailleurs, par des fans, par la fan zone, par la fan gamer. Enfin, c'est des fangames, en fait, qui sont réalisés par des fans. Et c'est vrai que, du coup, il y a pas mal de jeux qui se sont inspirés de Pity. Hein. Et ça, c'est incroyable, parce que, du coup, Kojima, lui, qui voulait partir sur un jeu comme Silent Hill, pas forcément de type, quand même, voilà, horreur psychologique, d'ailleurs, il avait même pas fait, beaucoup, beaucoup de comment ça s'appelle, de boîtes, de développeurs, ont copié un petit peu cette atmosphère, quoi. Je sais qu'à un moment donné, il y a le Baker qui va me défoncer la gueule.
Ah ouais, d'accord. Par contre, la lumière, elle est pas forte ou c'est moi qui rêve? C'est l'heure de ma résidence. J'en ai vraiment marre de cette ville. Oh, Winter. Et je peux te garantir que quand j'habitais en région parisienne, c'était la même. D'ailleurs, à un moment, on croyait qu'il y avait des gens qui nous tiraient sur la fenêtre. Ok, ok. Par contre, les loups, est-ce que c'est assez, la lumière est assez, assez importante chez vous là? Est-ce que c'est assez lumineux? Vous me dites, les loups? Ah bah oui, tu m'étonnes, il y a un créneau à prendre. Mais faire un jeu qui fait peur quasiment uniquement par l'ambiance et sans avoir peur besoin de screamer, c'est compliqué quand même, je pense. Bah, il faut un minimum de screamer, mais... Mais tu vois là, déjà, ça te... Oh! What the fuck, man? Oui, ça va, ok. Vous me dites, hein, parce qu'il est loup. Parce qu'après, c'est possible que ça soit encore plus sombre. D'accord. Ok. Oh, la petite fille. Et Visage, je trouve qu'il remplit parfaitement ce rôle. Le jeu, même quand même, il se passe rien, t'es inquiet, exactement. Mais c'est vrai que Visage, il est beaucoup inspiré de Pity, par exemple. Ok, donc il faut une clé. Akira, t'avais entendu parler de Dreadout comme jeu d'horreur? Ouais! Si, si, je connais Dreadout. Je suis en train de regarder sur Discord, mais j'ai pas mes lunettes, du coup, c'est dur. C'est pas le meilleur jeu de tous les temps, mais j'ai passé un bon moment dessus. Mais ouais, Dreadout, je connais, hein. Je connais, jamais fait, je connais. Des jeux que je ne ferai jamais. Si, si. Si, si, Wolfies. Tôt ou tard, tu vas devoir en faire un, poulette. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, je vais te l'offrir. Mais tu sais quoi, je vais te prendre un petit jeu d'Emika Games, poulette. Tu devrais faire un petit défi communautaire. D'accord. C'est dégueulasse. Alors on est vraiment dans un jeu d'horreur là. On s'est défoncé par papy Chulo. Et je sais plus à quel moment. Je sais qu'à un moment on va pas s'y attendre et on va s'attaquer par... D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, on monte en premier ou comment ça se passe? Et ça, ils l'ont beaucoup conservé dans le 8 et dans le remake du 4. Ils l'ont conservé un peu au début, ce gros truc de pression là. En tout cas... La maison abandonnée. Maintenant que tu le proposes, je suis sûr et certain de vouloir tomber dans l'oubli. Avant qu'on ne pense à débloquer un truc pareil. Let's go! Oh! Il faut enregistrer avec ça? Non, c'est pas vrai. Sérieux? À l'ancienne? Moi, j'ai trop peur de me retourner. Hein. Parce que je sais que quand on se retourne dans ce genre de lieu, souvent, il y a des choses qui apparaissent. En plus, je sais que c'est le préféré du cube pour les rues. Hein. C'est plein de champignons. Ah, les champignons, c'est la vie. Hein. En plus, tu l'as dit, Wolfies. Sur un des chats, t'avais dit, ouais, les champignons, c'est bon. Champion de Paris. Bon, quand est-ce qu'il arrive pour me défoncer? Putain, ça va me surprendre encore. Oh, franchement, ça fait peur. Là, ça commence à faire peur. Ah, je suis pas bien là. On se croit vraiment dans un jeu d'horreur que je joue habituellement. Je crois que je vais rentrer. Quand je vais ressortir, je vais me faire défoncer. D'accord. On tirait ma chérie, non? Par contre, trop cher de payer la lumière là? Comment ça se passe? Ok, il manque un fusible.
Ouais, ça, je m'y attendais aussi. La télé, le magnétoscope, let's go. Ah ouais, on va se regarder la vidéo. Boo. Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, Pete. Hey, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs... Merci Eric, gros bisous. Sois correct cette fois-ci, je veux pas un remake d'Amarillo. Je trouve vraiment le set incroyable. Je me tape pas le doublage. J'avais regardé plusieurs let's play à l'époque. Oh là, et pourquoi tu fais pas du coup Poulet, fais-le. Encore? Alors sois pas étonné si on doit le virer. Exactement Razor, c'était sur ton live du coup qu'elle a dit qu'elle aimait bien les champignons. J'avais bien retenu ça quelque part. Et ensuite, on tourne l'intro. Il est en train de se monter la trouille, tout seul à attendre le papy. Let's go le papy, papy Baker. Et bonne soirée Eric. Je me permets, regarde derrière toi par terre. Par terre? Comment ça par terre? Qu'est-ce qu'il y a par terre? Comment ça par terre, hein? Regarde derrière toi par terre. Mais y'a rien. Bref, j'ai rien compris. Le crochet? C'était le crochet, c'est ça? Let's go. Désolé, oui, sur tête, je n'ai pas que la première mention quand tu réponds. Ouais. Ouais, tranquille. Bonsoir, Orthez. Comment ça, mon poulet? Comment ça, depuis tout à l'heure? Est-ce qu'on tourne? Oh, bien joué, Winter. Ok, on y va. N'hésitez pas, les loups. En fait, il n'y a pas de spoil, hein, j'ai déjà fait. Après, il y aura la DLC. Il y a deux DLC que j'ai pas faites. Laisse-moi faire. Mais sinon, après, le jeu, j'ai déjà fait. Donc, si jamais il y a des trucs, n'hésitez pas, les loups. Hein, vous inquiétez pas. Celui-là, j'ai fait de Resident Evil. Sur console. Après toi. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Bah, écoute, ça va super bien. On est sur Resident Evil 7 ce soir. Et vraiment content parce que le 6, j'en pouvais plus quand même. Il durait trop longtemps et. Et le gameplay, c'est vrai qu'il est un petit peu haché. Heureusement que j'ai joué en coop, ça c'est vraiment génial par contre. Je suis présent à faire, moi. Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit? Pas de problème. Donc tu peux avoir des tips hein, si tu loupes un truc. Ouais, ouais, vous pouvez, Lilou. Si vous voyez des trucs qui sont intéressants, n'hésitez pas. Le backseat est... enfin, voilà, c'est pas le backseat, mais en quoi les tips, tout ça, sont autorisés, quoi. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Hey, Clancy. Filme un peu ça. Oh, ok, t'inquiète, Poulette. Pour y aller, loin. De toute façon, j'ai déjà fait, hein. Je répète encore une fois. L'ami de Pecno disparaît. Pas des Pecno, les Baker. Jack et Marguerite Baker. Jack et Marguerite. Normal, plutôt paisible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a mal tourné, apparemment. Merde. Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Oh putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon. Des fantômes aperçus dans le bayou. C'est quoi le bayou, Lilou? J'entends beaucoup entendre parler du bayou comme dans un showdown, là, je sais pas quoi. Donc on va utiliser ça. André! André! Nancy, tu sais où est passé André? Bah non. On a ouvert ça pour ça, le crochetage. Oui, oui, vous pouvez, Lilou, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, vous pouvez, du coup, tous les loups. Pour les tips. Le bayou, c'est genre les marécages. Ça, c'est les gens du USA dans les années 1800-1900, je pense, ok. Il est où? Parce que bayou, ça fait pas très américain. Hein. J'y crois pas. C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec. Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy, reste près de moi. Ils ont déjà perdu un de mecs, ça, c'est incroyable. Salut le Swingueland. Salut Swingueland, comment ça va?
Usbic Returns, il est là. En Louisiane, un bayou est une étendue d'eau formée par les anciens bras et méandres du Mississippi. Les bayous s'étendent sur tout le sud de l'état de Louisiane, formant un réseau navigable de 1000 km. Ah ouais, putain, merci beaucoup pour l'info. Coucou les Saint-Gaulien, comment ça va? C'est vers le Mississippi, monsieur Blanc. Moi, je savais pas du tout, Angèle. Franchement, merci beaucoup. Hein. J'en apprends tous les jours grâce à vous. Bientôt, je vais être intelligent, ça va être énorme. Il me tarde. Ah, ok, ok, ça, je m'appelle. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible, je rêve. Ah, d'accord, le mec, il a trouvé un passage tout seul. On trouve André et on se tire, tant pis pour l'émission. À mon avis, on va tous mourir ici, hein, mon poulet. Coucou le Saint-Gaulien, comment tu vas, mon poulet? Du coup, t'as quand même peur, vu que tu l'as déjà fait, ou ça va? Je pense qu'il y a des moments, je me rappelle plus du tout, hein, je l'ai fait il y a très très longtemps sur console. Et je me rappelle que j'avais mis du temps pour le faire parce que je m'étais cagué dessus. Mais j'avoue que graphiquement il est un peu plus... Voilà. On va voir comment ça se passe. Mais en fait moi ce qui me fait peur c'est en gros la chasse à l'homme. Quand il va y avoir la chasse à l'homme avec les Bakers. Ça me perturbe. Ah, ok, donc là je vais tomber dans les... Un peu comme dans le... Ah merde, je redescends. Faut pas que je redescende. Merde. C'est un terme souvent utilisé en Louisiane, qui a été détenu par la France en grande partie pendant l'époque coloniale, d'accord. Donc ils sont français, les Bakers. Oh mon dieu. Non, non, c'est pas du multi, Foxy. C'est pas du multi. C'est du R7, ils appelaient ça R7 Biohazard. Mais non, non, c'est pas du multi, hein, poulet. Et il est où l'autre? Mais il est parti, l'autre con. Ah bah non, merde, je suis tout seul, c'est vrai. Tu pousses Usbic. Allez, let's go. Le pire, c'est quand je discute avec Wifi, à chaque fois, elle me sort des mots que j'ai pas du tout. Hein. Je suis tout le temps en train d'aller checker une définition pour tenir la route, c'est vrai? Mais Wifi, elle a. À mon avis, elle est professeure de français, je pense. Je pense qu'elle travaille avec maman géniale. Ah, d'accord, elle est en prison, machin. D'accord. Tu pousses un peu le bouchon un peu trop loin. Biohazard, c'est le nom original de Resident Evil, ouais. Et en fait, tu sais pourquoi ils l'ont changé? Parce qu'en fait, honnêtement, les loups, je vous conseille, si vous aimez Resident Evil, d'ailleurs, j'en ferai la promotion sur Instagram, le Génération Resident Evil de Bruno Roca, qui est français. Et donc, du coup, en fait, j'ai lu quasiment tous les chapitres. Il me manque, il manque, je crois, le 2 et le 3, je crois, Resident Evil 2 et 3. Et après, je pourrais lire le Resident Evil 7. Et en fait, il te fait tout par histoire, mais aussi par personnage. Alors, je vais faire plaisir à Winter Sky, parce que, du coup, voilà, regardez. Et là, par exemple, on a la vie de Leon Kennedy, par exemple. On a le lore de... Et le papier glacé. Donc là, on a Leon Kennedy, donc... On a le lore de Leon Kennedy, dans quel Resident Evil il est arrivé, ce qu'il est devenu, tout ça. Et puis en fait, on a tous les personnages comme Ada Wong et tout. Et c'est vrai que le livre me permet de... Parce qu'au début, je l'avais pas ce livre et je l'ai acheté. Et du coup, j'ai commencé à lire pour faire le lien entre tous les Resident Evil. Donc là, il y a Ada Wong, ma préférée, bien entendu. Donc voilà. Donc vraiment cool. Et après, c'est par jeu vidéo. Donc il y a les spin-offs, il y a la série principale. Voilà, il y a les spin-offs, il y a Resident Evil Outbreak. En fait, il parle du développement des jeux et tout, et des petites anecdotes et voilà, et de l'histoire aussi. Donc, il y a marqué spoil alert. Voilà, donc. Mais il est vraiment cool, il est vraiment génial, Winter, je promets. Et peut-être que je le ferai gagner d'ailleurs le livre. Elle a beaucoup de vocabulaire, ouais. Ouais. Elle a l'air d'être très intelligente. Et coucou Athéna, comment tu as poulette? Léon! Non, c'est pas Léon, c'est Leon! J'ai les mêmes à la maison. Je vais me faire une petite calzone. Allez, le mec, il va me défoncer. Allez, let's go. Ça, j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? Hein?
quoi? Faire exactement la même chose que dans le livre. Que dans le casier vidéo. On va trouver le passage secret, let's go. Bah écoute, ça va super. C'est un artbook. Il y a des images, tout ça, mais... je pense pas qu'on puisse considérer ça comme un artbook. Hein. En tout cas, les pages, elles sont en papier glacé. C'est juste insane. Insane. La qualité du truc. 20 balles sur... et je le ferai gagner, Loulou. Hein. J'ai plein de trucs à vous faire gagner, de toute façon. Bon, on y va. On a... Quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut pas non plus tortiller du cul pour chier droit, quoi. J'ai traduit Resident Evil et ça m'a donné Résidence du Mal. Ouais, l'esprit résident un peu. Et en fait, c'est du coup les directeurs Capcom européens qui ont décidé de changer et de choisir Resident Evil pour l'Europe. Parce qu'en fait, en Europe, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelait Biohazard, quasiment en même temps que Resident Evil. Et donc du coup, ils voulaient pas qu'il y ait d'amalgame. Voilà, donc ils ont fait Resident Evil, voilà. En tout cas, c'est glauque à souhait, hein, n'est-ce pas, Wolfies? Ah ouais, je me rappelle qu'il y a un truc qui va me sauter dessus, mais c'est pas grave, on n'a pas peur. Par contre, le mec, je comprends pas, en fait. Il rentre dans une maison, et le mec, il pense à une seule chose, c'est passer dans le souterrain. Ok, donc là, il y a un cadavre qui va surgir. Oh, Winter a acheté l'horoscope, let's go! Attends, il va avoir... Il y a pas d'araignée? Ah, je sais pas, hein. Je crois qu'il y en a peut-être. Ouais, ça m'a fait peur, je m'en souviens à l'époque. On va le pousser, le cadavre, sur le côté. PNJ marmite. Attention. C'est l'horoscope. Oh, merci Cécile pour le raid. America. Coucou Cécile! Allez les loups, tous en cœur, c'est l'anniversaire de Cécile, bien entendu! On va lui fêter son anniversaire, let's go! Bon anniversaire à toi Cécile, c'est parti, c'est maintenant! On peut souhaiter un bon anniversaire à Cécile! Bon anniversaire! Bon anniversaire à Cécile! Bon anniversaire de la part de la team! Vraiment bon anniversaire encore! Merci pour ce raid, le jour de ton anniversaire en plus, un truc de ouf! Bon anniversaire! Franchement! Et du coup, ça fait quel âge? C'est un double, le son est décalé! Ouais, c'est parce que c'est Foxy qui a envoyé le. C'est Foxy qui a envoyé le son du coup! Et je l'ai envoyé aussi! Bon anniversaire à toi, Cécile! Comment s'est passé ton live du coup, Cécile? Comment s'est passé? T'étais sur Plague Tame Requiem. Comment s'est passé ton live? Et encore bon anniversaire à toi, Cécile. Merci en tout cas, du coup, à Poulette. Et ça te fait quel âge? Ça te fait quel âge du coup? Capricorne. Ah, les Capricornes. Ouais, les Capricornes, c'est vrai. Eh bien écoute, Cécile, pour te remercier pour ton raid, déjà on va te faire un SO. Et du coup Cécile, à quoi tu es en train de jouer en ce moment et qu'est-ce que tu fais de beau, raconte-nous tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un shout-out pour Cécile. Et juste après, on va faire l'horoscope du coup pour Winter Sky. Et on fera aussi l'horoscope pour Cécile, hein, d'accord? Donc Cécile, elle est née aujourd'hui, donc let's go. Et bonsoir Misaki, let's go. Attention. Mais putain, t'es pas mort, sale piaf là. Ah, retourne sur ton perchoir. Salut Arcangiette.
Je t'aime, Resident Evil 7, c'est mon jeu préféré, c'est go, let's go. Il y a beaucoup de personnes qui aiment Resident Evil 7, donc il fait partie de mes top 3. En tout cas, bon anniversaire, juste ceci, n'hésitez pas à aller voir. Elle est en train de jouer Plague Tale Requiem, ok. Et on fait des émissions sur les séries et les films. Alors là, franchement, ça c'est pas mal ça du coup. Et j'adore RE. Attention, c'est parti, c'est maintenant, c'est l'horoscope. Tu me diras du coup ton signe astrologique, Ceci ? Let's go. Bonsoir. Rappelle-moi, quel est ton signe astrologique, Winter ? Les Capricornes, c'est mon horoscope. C'est l'horoscope de Winter Sky et de tous les Capricornes. Verseau, ben on le fera juste après l'horoscope de ma chouchoute streameuse Winter Sky. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes les Raiders. Vous êtes sur la chaîne Akira Fun, la chaîne de l'horoscope astrologique. Bref, si vous êtes Capricorne, comme ma chouchoute streameuse, mais aussi ma vraie chérie IRL, alors vous êtes né entre le 22 décembre et le 19 janvier. Je vais commencer par... Oh, c'est un horoscope qui va être très très court, Winter. Je vais commencer par l'amour, car l'amour c'est tellement important. Il y aura des tensions dans votre relation amoureuse. Vous devrez jouer carte sur table si vous ne voulez pas vous retrouver dans une impasse. Vous devrez faire des compromis. Argent et travail. Les discussions que vous aurez avec vos collaborateurs seront plus animées que prévu. Soyez prudent. Usez de diplomatie et par pitié, n'essayez pas d'imposer vos idées à tout prix. Oh non, Winter, n'essaye pas d'imposer tes idées à tout prix. Il n'y a que Marie qui peut le faire. Marie à tout prix. Santé, bonne résistance nerveuse. Humeur, l'ambiance sera tendue. Et oui. Et si j'ai un conseil à te donner, Winter, et à vous, les Capricornes, aujourd'hui, vous devriez éviter de prendre des risques, quel que soit le domaine, notamment au niveau footballistique. En tout cas, merci beaucoup à Winter Sky qui a décroché l'horoscope des Capricornes. On va faire l'horoscope des Verseaux pour remercier Ceci pour son raid. Elle est Verseau. Attention, si vous êtes Verseau, levez la main. IRL. Attention, c'est parti, c'est pour les Verseaux. C'est pour toi, Ceci. Encore bon anniversaire, hein, poulette. Let's go. Ouh, il y a un peu plus de choses à dire. Si vous êtes Verseau, c'est que vous êtes né en fait du 20 janvier au 19 février. Ils sont cons. Bon anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. Venez chanter et danser avec tous vos copains. Ici tout est permis, on s'amuse. Bonne nuit à Cusa et bonne nuit à Elix. Bonne nuit. Bonne nuit à vous les loutes. Et en tout cas, c'est parti. Hein. Oh, je vais commencer par l'amour. Hein, parce que c'est si, hein, j'ai envie de te dire. Si tu fais l'horoscope, c'est pour l'amour. Et pas la guerre.
Mais merci, merci beaucoup pour ton abonnement. Mais ça ne changera pas d'alignement des astres d'aujourd'hui. Oh putain, la météo. On va tous les faire. L'amour, rien à signaler sur le plan du couple, sinon une évolution tranquille qui vous conviendra. Responsable, chaleureux et attentif au bien-être de vos proches, vous ferez tout pour qu'ils se sentent aimés et compris. Oh, merci Raline pour le prime, moi le fig, fuck, fuck, et merci à Cécile pour le sub. Célibataire, vous allez vous enflammer pour une personne que vous allez rencontrer sur le net. Alors Cécile, est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu es en couple? Parce que si tu es en couple, j'ai envie de te dire, ça va chauffer dans le lit. Et si tu es célibataire, ça va chauffer sur le net. Ça va chauffer dans le lit. Mais cette personne sera probablement plus hésitante ou terre-à-terre que vous. Argent et travail, votre vie professionnelle sera protégée dans l'ensemble, mais vous passerez par une phase de relative indifférence. Attention aux aspects défavorables dans le secteur des biens matériels. Ils pourraient s'avérer redoutables. Gardez-vous d'être optimiste, ne prenez pas de risques financiers excessifs. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Santé, vous ne manquerez pas de résistance. Reste à savoir canaliser votre énergie et éviter d'agir de manière impulsive. Pour ne pas gâcher votre capital santé, défoulez-vous dans une pratique sportive qui vous plaît et ne faites pas d'excès. Le sexe. Humeur, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Un conseil, pensez à vous tenir, droit. C'est important autant pour le physique que pour le moral. C'était l'horoscope des Verseaux, si vous êtes né du 20 janvier au 19 février. C'est pour toi, Cécile. Et encore, bon anniversaire. Oh yeah. Attention, on change complètement de registre. Mais alors, complètement de registre. J'ai envie de te dire, c'est du Resident Evil. Façon météo, let's go, c'est parti. Et bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Lucky Météo, bien entendu, avec, je le rappelle, notre partenaire Safleur, création de bouquets et composition florale. Vous pouvez avoir toutes les informations sur point d'exclamation Safleur, voilà. Alors, nous allons bien entendu nous poser la question de savoir quel sera le temps demain, mercredi, demain après-midi, bien entendu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh là là, averse zombie dans le nord de la France. Let's go. Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, le territoire national sera coupé en deux avec une partie nord-sud-ouest qui sera plus ou moins ensoleillée avec des températures vraiment estivales. Quant effectivement au sud-est et au sud en général, il va faire dégueulasse. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons effectivement du soleil. Attendez, il faut que je me cale ici. Hein. Nous avons du soleil à Lille, du soleil du coup à Metz, Strasbourg, à Brest, et nous avons aussi du soleil aussi à Bordeaux et dans les Landes. Par contre, effectivement, sur la côte niçoise, ça sera un peu nuageux, mais nous aurons peut-être des risques d'averses à Marseille, Montpellier, Narbonne et Ajaccio. Comme vous pouvez le voir, il fera attention peut-être de la grêle dans la région toulousaine ainsi que à Clermont-Ferrand. Nous aurons aussi du mauvais temps et des risques d'orage dans la région du Rhône. Voilà, je pense que c'est la région du Rhône, si je dis pas de bêtises. Au niveau des températures, nous avons des températures qui sont très très estivales, avec la température minimale, effectivement, du côté de Biarritz, et non, 18 degrés, effectivement, du côté de Valence, avec un maximum de température, comme vous pouvez le voir, à Bordeaux, et ce, 29 degrés. Quant à la partie nord, nous tournerons autour, effectivement, de 20-26 degrés. Ah, il y a quand même le petit 15 degrés que j'avais pas vu. Alors, ça, c'est assez curieux parce qu'effectivement, il fait chaud dans la partie nord du pays. Mais par contre, il y a un petit village composé d'irréductibles gaulois, du coup, qui habite ici. Et effectivement, il fera quasiment 10 degrés de moins que dans les départements d'à côté.
Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous êtes contents de cette météo. Voilà, en petit résumé, la partie nord sera ensoleillée et il fera beau. La partie sud-sud-est, il fera un petit peu dégueulasse, même si les températures seront quand même chaudes. Je vous rappelle effectivement que notre partenaire est Safleur, création de bouquets et compositions florales. Vous pouvez demander des informations auprès de Sarah. C'est la fête des mères très prochainement. Il y aura d'autres fêtes aussi à venir. N'hésitez pas, elle vous fait des fleurs et des compositions de dingue. Voilà, merci en tout cas, merci beaucoup pour la Ki Météo. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas où vous habitez d'ailleurs, les loups. Laisse tomber 26 degrés chez moi. Ah ouais, c'est vrai. Attends, mais moi chez moi, demain il fait 24 degrés quoi. What the fuck, fuck, fuck. Oh, double red! What the fuck? What the fuck? It was at this moment Jackson knew. Mange ta banane chez Akira Fun. Fucked up. Et tu peux le faire tout. Fuck yeah! Motherfucking day, yeah! Mange ta banane chez Akira Fun. Et tu peux le faire tout. Ça. Attendez, mais pourquoi on n'a pas le retour là? What the fuck? Il y a Best of Chute après la météo, non? C'est ça exactement. Petit dégât, je suis mort, c'est vrai. Oh putain. Et salut David! Comment tu vas, David? J'avais pas vu que t'étais là. Il est parti le streamer. Mais non, il est là le streamer. Son casque a la forme exacte de la courbure de la France. Ça me trigger de ouf. Comment tu vas, mon poulet? Bienvenue à toi. C'est honteux. Comment ça, c'est honteux? Le T ne se prononce pas. D'accord, Metz, d'accord, c'est Metz, ok, d'accord. Je pense que Woofies, elle est vraiment pas contente. Hein. Je sais pas ce qu'elle a fait aujourd'hui. Je pense que Icus va un petit peu du trop l'embêter. Et donc, du coup, c'est vrai que je la trouve un petit peu, comment dirais-je, un petit peu sur l'attention. Alors, est-ce que tu veux que je te fasse ton horoscope, du coup, Woofies? Est-ce que ça pourrait te faire du bien? Sortez les merguez, let's go! Let's go, let's go! Je vois plus que ça maintenant, c'est vrai? Mais grave, moi aussi c'est hypnotisant. Oh merde. Comment tu vas, David? Bonne nuit à tous et bonne fin de live. Gros bisous, Angel. Et Vlad Adam. Moi je suis en Bretagne où il fait beau et chaud toute l'année pour un Breton. Ah, ben exactement. Je préfère de loin les portes fermées d'un Outlast. Et paf le Haïti. Je vous dis bonne nuit tout le monde. Gros bisous, Cécile. Encore merci pour ton raid. Merci beaucoup, Poulette. Et du coup, let's go. T'es tendu, Natacha. C'est tout. Oui, t'es tendu. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, merci pour l'horoscope, t'inquiète. Mais t'es pas Verseau, toi aussi? T'es Capricorne, non? Demain, il pleut, j'ai hâte. Non, j'y crois pas, la fille. Salut, Arcanoïde. Salut, Arca, comment ça, mon poulet? Bien ou bien? Alors, attention, on est parti. Resident Evil. Attendez, mais pourquoi? Attendez, mais les loups, on est où là? Mais attendez, vous voyez quelque chose là, les loups? Moi, je vois rien. Non, mais attendez, les loups, on va augmenter un peu la luminosité parce que là, il y a un souci technique, non? Voilà, comme ça quand même, non? C'est peut-être un peu trop là, non? Non, c'est bien là, je pense que c'est bien en fait. Coucou Arca, comment tu en poulet? Merde, j'ai lu Arachnoïde. Ah, c'est pas la même. Arachnoïde, c'est Woofies. D'Arachnoïde... Oh. Arrêtez de me faire peur, hein. Je sais très bien que c'est des conneries. Y a pas de monstres ici, hein. Y a que des gens gentils. Hein. Des schtroumpfs, des bisounours. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mia? Ah ouais, je danse le Mia. Ok, Ben dead, Harold turn, dead. Donc il y a Harold, Arthur et Tamara. Et Clancy. Ok. Ah, muté, ok. Ok, c'est cool. Vas-y, je le prends ça, let's go. What
What the fuck, fuck man? What the fuck, man? On se croit dans Outlast. Vas-y, 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 à qui? Vas-y, trouve une seringue. Winter est à terre. Et si je continue, à mon avis, que je vois pas la personne, ça va être chaud. Il met dans l'ambiance direct avec la luminosité. Hein. Tu crois? Papa Baker, mine. Oh, Papa Baker. Eh, vas-y, direct. Coup boulon. À l'ancienne. Mon poteau Papa Baker, il fait suer du bout, lui. Ouais, franchement, on dirait le Némésis, en fait. Putain, dire que c'était l'anniversaire de Cécile encore. Putain, mais c'est ma femme, ça. Ah, elle est verte. Mia, Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Ethan? Est-ce que ça va? Tu ne devrais pas être là. Comment ça? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. Mais elle a pas appelé. Elle lui a envoyé un message. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Il? Qui d'autre est ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa va venir? Il faut partir maintenant. Comment ça, papa? Et bon, papa, il est là. Let's go. Allons le rencontrer. Vas-y, pousse-toi. Tu m'emmènes? Quelque part, en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Elle a les cheveux qui sont volumineux. Depuis 3 ans. Ah, je me suis spoil sur un truc là. Ah ouais, merde. Ça fait déjà 3 ans. 3 ans. 3 ans que t'es là. Oh, let's go. Ok, ça c'est pour se protéger. On peut taper. Mais vas-y, n'aie pas peur. Ah oui, si tu l'as jamais fait, voyons, tu vas te spoil. Ouais, c'est clair, mon poulet. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je crois que c'est par là. Ok. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des tips. Mais pourquoi elle marche tout le temps devant moi là? Vas-y, pousse-toi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est possédée, non? Ah ouais, je... Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Ah oui, d'accord. Depuis tout à l'heure, elle gamberge. Il faut passer par là. Tu veux rencontrer ta belle famille? Quelle évolution de la relation? Exactement, let's go. Mia. T'inquiète, j'ai oublié ma mauvaise mémoire. Ah bah, ça c'est bon du coup. J'aimerais trop partir vivre en Bretagne. C'est vrai qu'elle aimerait vivre en Bretagne. Putain, mais va le Saint-Goulin, je suis sûr, tu y vas et... Il te trouve un truc là-bas. La super belle famille, franchement, je veux la même. Ou pas. J'adore le ou pas. Ou pas ou pas. T'es obligé de la suivre, malheureusement. En tout cas, franchement... Là. Elle aurait pu se laver quand même avant de me recevoir. Ah, tu l'as fait en dément? La vache! Tu l'as fait en dément, poulette! Je me souviens de cette pièce. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Attendez 2 secondes, elle est où? Non! Elle est plus là! Oh, c'est plus là. Elle est plus là, elle a disparu! Il faut arrêter de fumer le calumet de la paix. On va être une famille. Maintenant, quoi? On va être une famille? Mais je veux pas être ta famille, toi, casse-toi! Ça fait 3 ans qu'elle est là, elle a les mêmes jeans, les mêmes habits. Elle est folle. Re Ice Cube. Comment était la douche? Reste ici. Elle a dû se laver, elle avait tout le temps enfermé dans sa cellule, c'est clair. En plus elle avait un lavabo, je sais pas si t'as vu. Bah ça va, une douche quoi. Ok. Bah c'est pas le cas de Mia, hein. Elle a pas pris une douche elle, hein, je peux te le dire. Ouf, elle schlingue en plus. Tu veux pas te laver ma chérie? Après on discute. Ok, let's go. Ah oui, il y a la mamie, c'est vrai. Oh putain, il y a la poupée démente.
Merde. Merde. Tout ça à cause des poupées, quoi. Elles étaient fascinantes. Ma meilleure game que je crois de toute ma life, Winter, c'est vrai? Mia? Mia? Je danse le Mia, pas de pas à côté. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment... trop beau. Un mec... qu'assuré. Tout le monde disait... Salut Cobra! Tout le monde disait... oh oui, Mino. Oh oui, Mino. Et comment ça va? Ça me fait flipper. T'inquiète, t'es pas sorti de l'auberge. Avec le papa Baker, là. Ouais, la porte, elle va se refermer. Je vais la fermer avant tout le monde. Sinon, ça sent mauvais. Ah ouais, ça pue du cul. Hein. Ah, je peux te dire que sur l'échelle de Richter du cul, je pense qu'on est à niveau 12. Donc, voilà. Comment tu vas, Cobra? Comment ça, mon poulet? L'ambiance du 8 aussi. Hein. Ah ouais, là, ah ouais, ouais, ouais. Pau, 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 exactement. Pau, pau, pau. Le Resident Evil 8, franchement, le début, c'est insane. Après, honnêtement, le 8, il y en a beaucoup qui ont rouspété. Moi, j'ai adoré le 8. Donc, je ne mets pas dans mon top 4, hein, mais pas loin du top 5. Hein. Exactement, on est sur des pets de porc. Avec où ça va super bien. On enchaîne sur Resident Evil 7, et j'ai envie de te dire, grâce à Winter Sky, et Razor, et Misaki, et tous les copains qui ont participé à Resident Evil 6, je les remercie énormément, hein, Lou. Du coup, ça nous permet d'attaquer Resident Evil 7. D'ailleurs, Resident Evil 7, il est pas très très long. Hein. Après, ce soir, on a commencé tard, mais demain, on en fera un peu plus. Quoi. Par contre, je sais plus si on peut se cacher ou un truc comme ça. Ok, on a des potions. Bah, je sais pas comment ça marche les potions. Comment ça marche les potions? Oh, wow, wow, wow. What the fuck, fuck, fuck. What the fuck, fuck, fuck. Y'a personne. Y'a personne, GG. Ça, c'est pour se défendre, ok. Et ça, c'est pour faire quoi, ça? Ok, on peut mettre des raccourcis. C'est les soins? Ouais, mais comment on fait pour les prendre, les soins? Il faut aller directement là? Ah, on peut les mettre là, regarde. Ah, ok, c'est chaud. Ok, deux je crois pour les DLC, il y a deux DLC, et d'ailleurs je les ai achetés. Du coup on fera les deux DLC parce que je les ai pas fait les DLC. Hein. J'ai fait le 7, mais j'ai pas fait les DLC. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh punaise, il y a un mec dans la tuyauterie ou c'est moi? On dirait des coups de théâtre. Mais il faut rush un minimum. Comment ça il faut rush? Oh. What the fuck, fuck, fuck. What the fuck, fuck, fuck. What the fuck, fuck, fuck. Salut, Georges. Salut, Georges, comment tu vas, mon poulet? Tu peux les équiper? Ouais, mais comment tu fais pour les équiper? Ah, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, d'accord. 1, 2, 3, 4, ok. Et après, comment tu fais pour prendre l'objet? C'est chelou, quoi. Comment ça va, Georges? Ah, ok. On va juste ça. Eh bien écoute, ça va super bien. What the fuck, man? On est sur Resident Evil 7. L'un de mes préférés, du coup, les loups. Donc là, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment... je vois le fuck, fuck, fuck. Il va me tatane le cul. Il n'y a pas d'histoire avec le tuyau, non? Il y avait un truc à récupérer, non?
Ok, il faut que je retourne dans le garage et là ça appartient en couille. Non, t'inquiète pas, on dit que le jeu peut se finir rapidement, mais avec un minimum de rush, mais tranquille quoi en vrai. Bah ouais, là je vais vraiment jouer en mode pépère. Mais écoute, ça va super bien, Cobra. J'adore ce passage. Ok, let's go. Resident Evil 8, Resident. Vlagadam. Pouah, pouah, pouah. Bah en fait, ouais, j'ai deux DLC du coup. Par contre, j'ai pas compris là le. Y'a pas un truc à récupérer, un bout de métal ou quoi? Bon, je vais bien redescendre, mais je crois que je vais me faire défoncer par la nana, non? Il y a le téléphone qui a sonné. Au secours! Au secours! Au secours! Je crois que c'est là où elle revient, la vieille folle. Ouhouhou! Y'a rien là-dedans. Il y a un truc à faire, mais je sais plus c'est quoi. Il y a pas un truc à péter? Ouais, je crois qu'il y a un truc à péter, je crois. Je crois qu'il y a un truc à péter. L'eau mais... de Sagaro, c'est l'eau qu'il te faut. En tout cas, bienvenue à tous. Avec la pince sur la porte, non? Il y avait une pince, toi? Elle est où la pince? Ça là? T'as vu une pince toi mon poulet? À mon avis il faut redescendre. Bois donc de l'eau de Sagaro hein. Ouais je sais pas si je vais avoir de l'eau de Sagaro là. Je suis en train de me chier dessus. Elle a une sale toux la femme dans le sous-sol. Ouais bon on va aller la voir hein, tu sais quoi. Coucou Mia. Tu veux plus te laver les dents, hein? Ah ouais, j'avais oublié cette ce partie-là. Tu vas prendre les fessées, tu vois. Qu'est-ce que t'es devenu, Mia? Evil Dead, ouais, exactement, Evil Dead. Tout gras, je présume. C'est possible, le cinq-volant. Utiliser un remède de premier soin, let's go. Ok, c'est A, du coup. Oh, tu voulais replay, merde. Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché, replay? Vous l'avez entendu, replay? Ça doit piquer, hein. Ah ouais, ça doit piquer de ouf. Merde, George, putain, ça va marcher le replay. J'ai pas compris pourquoi. Bonne nuit, Nipoud. Gros bisous, poulette. Gros bisous, Nini. De retour sur le film Evil Dead, Mia est devenue possédée. Mais let's go, c'est que le début, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est Mia, je crois qu'elle est possédée. Ah bref, elle m'a donné des coups de couteau dans la main. J'ai presque envie de la traiter de catin. Mais c'est quand même Mia, c'est ma fiancée. Oh! Oh! Wow! Mais elle est... Ok, pas de problème. J'y vais, je cours, je vole, je me rapproche à la vie. Oh, je vais te défoncer. Oh, tu m'as poignardé à la con de tes os, hein. Oui, vas-y, je vais t'éclater ta gueule. Et puis, de toute façon, je t'aime pas, Mia.
Voilà, chien. Ça t'apprendra à être possédé. Non, mais ça n'a pas la tête. Ah bah, je vais te couper ta tête. Et je vais la planter dans le cimetière à côté. Comme ça, ça fera notre film d'horreur. Oui, elle est où, lâche? Ils te font ouvrir des tiroirs, mais il n'y a rien dans le tiroir. Un petit peu de drogue, ça fait pas de mal. J'ai vraiment entendu baise-moi. Sinon, elle a de la poigne. Non, t'as dit baise-moi. Elle a dit laisse-moi, elle a dit. Tu peux dire, tu vois, ça marche. Elle est dead. C'est simple, engueulade de couple. Ah putain, l'engueulade de couple comme ça, ça fait peur quand même. Allez, let's go. Allô? Sadabong. Sadabong. Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier. Vas-y. Maintenant. Et tu vas refaire la version faiseuse avec Maria Antoinette sur un pic, exactement. Oh. Ouais, mais c'est où le grenier, tête de folle? Et le corps, il est parti. Oh la coquine. Vas-y, je prends la hache, let's go. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Ça, tu veux te battre, Mia? Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Y'a pas un truc à péter là? Je pète tout, moi. Je crois qu'il y a un truc à casser, mais je sais plus où c'est. Pas un truc à péter là? Incroyable! Attends, y'a un truc à péter là, je crois. Oh! Ouh! Ouh, 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 ouh! Dingue! Je prends en bas, elle s'est fait empaler tout ça sur le pic. Ben, je sais pas, c'est un peu chelou. Et là au téléphone, Léon! Oh non, dis pas ça, Jauge. Déjà que Léon, je suis pas très fan. Et à ce niveau, c'est même plus de la violence conjugale, c'est la guerre dans la baraque. Ben, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé avec Ellipse. Mais c'est là où on arrive au début, en fait. Elle a dit d'aller où? D'aller au grenier? Et si on n'allait pas dans le grenier? Mais si on est obligé, il nous faut un fusible. Je sais qu'à un moment donné, on va se retrouver nez à nez avec le mec. Oh oh. Ok, par où on est arrivé là? Wolfic, fuck, fuck. Ça pue du sgeg. Let's go. Ah, il nous faut un fusible. Vous avez un fusible, vous? On va enregistrer. C'est quoi? On va enregistrer. C'est bien, tu avances le boulot des musiciens, mais c'est clair. À qui entreprise de démolition? Ah, mais il faut tout péter dans le jeu. Oh, pour rigoler, une fois, elle m'a défenestré, mais dans la bienveillance. Elle t'a défenestré? Ellipse? C'est pas vrai. Arrête. Et t'étais à quel étage? Vous habitez à quel étage à l'époque? À mon avis, il faut que je pète un truc, mais c'était pas ici. Hein. On a un marteau, à un moment donné. Yeah, let's go. Faut péter quelque chose. T'as pas chaud avec ta casquette? Ouais, un peu, mais t'inquiète. Faut le péter ça. Vas-y direct, coupe boulon. Troisième, c'était tout à l'heure pendant le repas. Sérieux, t'as défenestré la poulette? Non. Quand est-ce qu'il va m'attaquer l'autre Brutus? Wow. Je vais la taper, mais je vais la taper tellement fort, elle va pleurer sa mère. Putain, elle va vite, hein. Ouh. Vas-y, je t'éclate. Me fais pas peur, je t'éclate ta son, vas-y, let's go. Vas-y, putain. Attends, c'était où le chemin des fusibles, les loups?
Je me souviens plus. C'était où les fusibles? Attends, c'était pas ici en fait. C'était là les fusibles. On peut allumer les lumières là? Comment ça se passe? Et là je crois que je vais me faire taper, je crois. Si c'est pas le bêtis, non? America! Fuck yeah! Oh putain, mais tu m'as fait peur! Ça va aller, c'est moi. Non, non, assis dedans, tu me fais peur, trop peur, je vais t'éclater. Et ça passe en couille, c'est clair. Mais t'aurais pas dû faire ça! Ça fait putain de mal! Peggy est-il, hein, je rappelle, quand même, loup. Attends, mais va la taper, venge-toi, fais quelque chose! Ah oui! Ah oui, il faut y aller là. Non. À ton tour de souffrir. C'est mon job. Je dois contenir. Je vais arriver. J'aurais dû moins dû boire ce soir-là, hein, lors de notre rencontre. J'avoue que... Evil Dead. Evil Dead. Alors, je vais chercher la tronçonneuse. Je vais me la greffer au poignet. Evil Dead. Appelez-moi H. Comment il va faire de la guitare maintenant? C'est clair. Coucou chérie. Ça va partir en couille. Tiens, j'ai le moignon qui est pas propre. Attends, je vais enregistrer encore. Même si j'ai le moignon qui pend, c'est pas grave. Faut que j'enregistre. Une main au barbecue, let's go. Ah ouais, là par contre, y a Papa Baker, il va pas être content. 1 million, moignon. Ok, là c'est enregistré, donc c'est là où je vais me faire taper, je crois. Je sais plus à quel moment. Putain, je suis rentré vraiment comme style, je suis un guerrier, quoi. Ah, il y a des balles. Des balles? Bah, on n'a pas de pistolet. Ok. Des balles? On n'a pas de pistolet. Cautérise! Mais quand tu veux que je cautérise? Et pourquoi ils ont des trucs dans le... Bref. C'est l'histoire. Ok, j'ai des balles mais j'ai pas de pistolet. Let's go. Yes, le gun! America! Fuck yeah! Vas-y, j'ai 32 balles et un gun. Je pense pas que si tu mets une perruque avec la coupe de Léon, la dame se calmera. Ben je sais pas du tout. Je pense qu'à mon avis, elle aime bien Léon, Mia. Elle préfère... Oh! Mais merci pour le raid! America! Hey, coucou les raiders! Salut Zorax! Et salut PC, comment tu vas mon poulet? Ça faisait un bail. Et salut Zvéploli. Je sais pas si je prononce bien. Zeploli. Comment tu vas Zeploli? Je sais pas si je prononce bien, du coup je suis vraiment désolé. Salut Giscard. Oh, on a Giscard d'Estaing. What a fuck, 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 man. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue les Raiders. Comment s'est passé ton live du coup? Zeploli. J'ai vraiment du mal à lui dire, du coup, Zeploli. T'étais sur Fortnord avec, du coup, d'autres copains. Et salut! Et salut! Mais vous avez tous des pseudos de ouf! Salut ATR, comment ça va? Bonsoir tout le monde! Pendant ce temps-là, le perso fait une légère hémorragie. On est sur Resident Evil, j'ai perdu mon bras. Je sais pas si vous connaissez le jeu, les loups. En tout cas, bienvenue à vous. Tu étais sur Fortnord, du coup, qui est un jeu un peu, si j'ai pas de bêtises,
puisqu'on a joué du coup en live sur ça. C'est un Phasmo-like avec les fantômes un peu égyptiens, si je dis pas de bêtises. Comment s'est passé ton live, Zeploli, comment s'est passé ton live? Exact. Alors, comme c'est la première fois que tu nous raides, est-ce que tu veux bien nous faire la promotion de ta chaîne? Nous dire sur quoi tu joues, qu'est-ce que tu fais, quand est-ce que tu streams, déjà si c'est voilà, la thématique de ta chaîne, les originalités, tout ça, quoi. Et salut Razoul, comment tu vas mon poulet? Salut Razoul. Bonsoir, tu peux dire Loli, c'est plus simple. Ah ouais, là c'est mieux. On est là grâce à PC. Ben merci PC, t'es un amour mon poulet. Et en plus, c'est bien, ça fait un bail PC, hein. Ça fait super plaisir de te revoir. Ah ben je vais t'appeler Loli si ça te dérange pas du coup. Hein. Même si c'est pas la totalité de ton pseudo, mais c'est vrai qu'il est pas facile à dire. Ah, c'est rare que l'on prononce bien mon pseudo, hein, du premier coup. Hein. Let's go, ATR. Je sais pas, je fais pas de gymnastique. Comment ça tu fais pas de gymnastique? Nickel, et toi? Bah écoute, super, on est sur Resident Evil 7. Alors, pendant que du coup Loli se présente, je vais me présenter aussi à mon tour. Je m'appelle Akira Fun, je stream essentiellement des jeux de survie et d'horreur. On fait pas mal de jeux d'horreur, on fait pas mal de jeux de survie. Là, en ce moment, je fais le marathon Resident Evil. D'ailleurs, j'ai ce t-shirt depuis le 6 mars. Hein, on a commencé avec le 0. Après, on a fait le 1, remake du 2, remake du 3, remake du 4, Révélation 5, Révélation. Après, on a fait Resident Evil 5, Révélation 2. Le Resident Evil 6 qu'on a fini et qui était très très long hier. Et là, on fait le 7. Et après, on fera le 8 avec les DLC. Voilà, pour me présenter, je fais un petit peu de VR aussi, de temps en temps. Donc voilà, c'est qui aime bien la VR. Et voilà, la commu s'appelle la E-Team. C'est une commu fun et bienveillante, donc je suis vraiment content effectivement Loli que tu viennes du coup nous raid, puisque du coup on va pouvoir découvrir ta chaîne et venir te voir, et ça c'est super cool, donc merci énormément RE4, let's go, et merci pour le follow Loli. Alors bonjour, moi c'est Loli, plus simple à dire, je joue à Phasmo et à d'autres petits jeux qui font peur, de survie ou de découverte. Je stream quand mon boulot et ma fatigue me le permet, souvent le soir vers 19h, et je ne suis pas doué et j'ai peur de tout. Mais c'est génial Loli, mais franchement c'est énorme, parce que nous aussi on joue beaucoup à des jeux d'horreur et tout. Qu'est-ce que tu joues un peu comme jeu d'horreur, si c'est pas du coup indiscret, Poulette, ou Poulet, hein, Poulette d'ailleurs, je sais pas si c'est il ou elle, ou les deux, ou aucun des deux. Pour l'instant parmi les RE que tu as fait, lequel te tient le plus à cœur? Alors Giscard, il faut dire une chose, c'est que en fait les Resident Evil je les avais déjà quasiment tous faits auparavant sur console, donc j'ai participé à un événement caritatif pour lutter contre le harcèlement scolaire, je suis papa d'ailleurs de deux enfants, et donc du coup dans les donation goals il y avait refaire la saga Resident Evil parce que j'avais envie de la refaire, de la redécouvrir, mais je n'avais pas fait les remakes, donc voilà, donc si au jour d'aujourd'hui je veux dire ce que je préfère, ben, j'irai forcément le 1. Parce que le premier quoi, parce que c'est celui que j'ai découvert sur console du coup en je crois que c'était en 97 je crois, ou un truc comme ça, ou 98. Et après on a discuté tout à l'heure, il y a le remake du 4 Loli, si tu l'as pas fait le remake du 4, il faut que tu le fasses Poulette ou Poulet, je sais pas, mais il faut que tu le fasses parce que franchement il est juste énormissime. Il est dingue de chez dingue. Et après, là, Resident Evil 7, que j'avais beaucoup adoré. Maintenant, il y a le remake du 2 aussi, que j'ai adoré aussi. Donc voilà, c'est un petit peu le quatuor des jeux Resident Evil que j'ai le plus préféré. Voilà. En prenant en compte, effectivement, bon voilà, l'évolution de tout ce qui est un peu technologie, les graphismes et tout ça, quoi. Et toi, du coup, c'est quoi? Toi, t'es meilleur RE? C'est pas vrai, elle a pas peur de tout, hein. C'est vrai, Loli? T'es beaucoup plus courageuse que, ou courageuse. Putain, je sais pas, je dis courageuse, en fait, je sais même pas, en fait. Ah purée, ce t-shirt me rappelle un autre. C'est vrai? Lequel du coup à terre? Donc Giscard, toi tu préfères lesquels? Oui, oh c'est chou l'assaut. J'ai pas mal joué à Project Zomboid récemment, tu connais? Yes, Project Zomboid America, fuck yeah. Ah, Project Zomboid, en fait, quand j'ai débuté un petit peu, c'était je crois après l'affiliation, j'ai fait pas mal de Project Zomboid, donc je streamais en live, et après j'ai attendu un petit peu, et l'année passée, je crois que c'était en début d'année, on a refait, en fait, j'avais fait un serveur privé, dans lequel j'avais invité la commu à jouer, donc on avait joué aussi en privé. Et là j'attends du coup le prochain Project Zomboid, la prochaine bêta, la prochaine mage, avec les animaux. Parce que je pense avec les animaux ça va être beaucoup plus sympa, et les souterrains aussi. Tout ce qui est un peu souterrain, sous les maisons, tout ça. Donc j'attends ça avec impatience.
RE4 Remake, une tuerie. Ah, vraiment une tuerie, Giscard, mais vraiment de ouf. Eh ben, Code Veronica, je l'ai fait sur console à l'époque, mais je ne l'ai pas refait dans la saga Resident Evil. Pourtant, elle fait partie de la saga principale, pour la simple et bonne raison que je m'étais juste focalisé sur les jeux que je pouvais faire sur Steam. Et Code Veronica, il faut que j'utilise un émulateur. Et puis, c'est vrai que graphiquement, je pense que ça va être très très dur de retourner sur Code Veronica. Surtout que je fais pas trop de rétro, donc... Et oh, merci à Terre, merci beaucoup pour ton follow, t'es un amour. Alors, j'ai fait aucun RE. Loli. Il faut qu'on parle. Tu dois faire du Resident Evil. Même le 1. Oh, fais le 1. Je sais que... Alors, je sais pas quel âge tu as à peu près, mais... Moi, j'ai 44 ans. Et c'est vrai que, du coup, j'ai connu les premiers Resident Evil. Et ils ont fait des HD remasters qui sont vraiment sympas. C'est vrai que le gameplay est assez compliqué au début. Mais franchement... C'est des classiques de la survie horreur, de la classique. Et si tu fais un Resident Evil qui est récent, fais soit le remake du 4, soit le remake du 2, soit le 7, soit le 8. Bon, ça fait beaucoup. Bon, bref, fais le remake du 4. Si je suis une woman, donc poulette, ça me va. Ok, ça marche du coup, le lien. Alors, c'est pas poulette, c'est pas... c'est vraiment dans le sud, on aime bien dire « Coucou mon poulet, coucou ma poulette ». Il n'y a rien de péjoratif. Hein. Mais toi aussi, t'as des poulettes. t'as des poulets. Ah, le R1, remake du 2, 4 et 7 aussi. Oh, la même chose que moi, du coup, Giscard. What the fuck, man. Et coucou, Ninja, comment ça va? Coucou, mon grand poulet. Bah, écoute, ça va super bien. Et toi, comment tu vas? Ah, ça m'appelle le logo d'un couple dans lequel j'étais il y a quelques années, centré sur les Total War, à la limite du compétitif, parfois, c'est vrai. Il me semble que c'est fait, non? C'est-à-dire, jauge. J'ai pas compris. Le 3, ça m'a laissé un goût de Resident 2,5 Remake sur le coup, même si j'avais déjà fait la version PS1. Après, le remake du 3, les loups, moi, franchement, j'avais beaucoup aimé. Le seul problème, c'est que en fait, il était plus court que le 2. Et c'est vrai que le 2, il est quand même immersif dans le commissariat. Ça te rappelle un peu le manoir Spencer. Et j'avoue que ça a fait vraiment flipper. Moi aussi, j'avais fait un serveur et j'ai hâte de la mage aussi. Mais j'ai arrêté parce que je me suis pris la tête avec le co-gérant. C'est vrai, Loli. Après, honnêtement, Loli, tu sais, les serveurs... Tu peux le gérer toi-même, c'est pas très 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 compliqué. Après, tu peux donner par exemple quelqu'un qui joue régulièrement un peu l'accès administratif, on va dire, pour pouvoir faire des resets ou des choses comme ça. Après, voilà, si tu peux, si t'as les moyens de te prendre le serveur. Moi, j'avais pris le serveur chez quelle plateforme? Putain, je me rappelle plus. C'était pas le plus connu, en fait. Le plus connu, on m'avait dit, non, on n'y va pas. Va chez un autre. Faut que je retrouve, en fait. J'aime mieux regarder les autres. Ils jouaient, c'est vrai? Non, mais il faut que tu fasses des jeux d'horreur, Loli. En plus, les streameuses, je sais pas, la commu, là. ATR, Giscard, PC, tout ça, là. Ah, bah, attendez, il faut lui imposer un défi communautaire à Loli. Pour faire des jeux d'horreur. Let's go! Oui, des emotes poulet, mais avec une faute, c'est plus drôle. Hein. Ouais, j'ai vu ça, poulet. Poulet. La vache avec les animaux sur PZ, je pense que tu parlais de ça. Ouais, exactement, Jojo, exactement. Et du coup, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Ça va, nickel. Merci, alors, t'es sur R7. À ce que je vois, t'es au début. Ouais, là, on est au début, du coup. On a commencé cet après ce soir. Et après, on va streamer. Alors, demain, ce soir, je vais pas me coucher trop tard. Parce que demain, J'ai ma compagne qui est en déplacement, tout ça, donc c'est un peu compliqué avec les enfants, en plus du travail, donc... mais ouais, vers minuit et demi, tout ça. Et sinon, je stream tous les soirs à partir de 21h, voilà. Donc à peu près quasiment tous les soirs, sauf le jeudi, le dimanche soir, voilà, pour pouvoir profiter de ma famille. J'ai 28 ans, donc je les ai vus sortir. Et t'inquiète aussi pour le poulet, ça me choque pas, je suis originaire du sud aussi. Let's go, Loli! Loli, est-ce que tu joues à Apex? Est-ce que tu joues à Apex? C'est très important. Est-ce que tu joues à Apex? Parce qu'en ce moment, je te jure, alors je suis pas un joueur d'FPS, mais en fait, en off, on joue beaucoup à Apex. Parce que je sais pas, en fait, le jeu m'a hypé. Et en fait, on est en train de réunir plein de gens super sympas, fun et bienveillants pour jouer à Apex. Même des débutants, il y a des débutants qui viennent et qui jouent avec nous et tout. Et alors moi, je suis débutant. Hein, j'ai commencé il y a quasiment 4 semaines. Mais c'est vrai que je joue pas mal à Apex. Et je te pose la question, je me dis, on sait jamais, hein, peut-être qu'elle aime Apex et tout. Hein. Oh, des cœurs moustaches, iPad et puis là, mais il y en a aussi. Mais attends, mais c'est pas possible, Oli. Attends, mais PC, tu nous as collectés, what the fuck. Et effectivement, c'est des emotes de la chaîne, du coup. D'ailleurs, les emotes ici sont des poulets, des poulettes. Mais merci, Ice Cube. Merci beaucoup, mon poulet. Caguette que tu es, bah, exactement.
Je suis pas trop jeu d'horreur, c'est VATR. Mais tu m'as dit du coup que c'était plutôt un peu plus, des jeux un peu plus Total War, donc des jeux un peu plus strat. Oh, double red, what the fuck. J'adore, des moustaches, des poulets, parfait, let's go. Let's go, Loli. Ah ouais, non, ça il faut pas regarder ça. Faut pas regarder ça. Ah, ils vont tous me les faire, ils vont tous me les faire, les cons. Oh, finesse. Loli et les Raiders, je pense que vous ne me verrez plus jamais de la même façon. Ah, mais tu connais pas Loli, depuis que je lui ai proposé Kerbal Space Program, elle n'écoute plus mes suggestions de jeu, c'est vrai. Ah, Kerbal Space, c'est assez particulier, j'ai pas joué, mais je vois ce que c'est. Sucre m'avait dit qu'elle était sortie pourtant. Elle est déjà sortie, c'est vrai? Go, faire du Resident Evil, let's go! Ah oui, et je joue aussi à des vieux jeux. Je joue à Heroes, Crash Bandicoot. Tu fais du rétro du coup? Non, Apex, j'ai joué il y a longtemps et j'ai pas super accroché. Mais ça, tu sais pourquoi, Loli? Tu sais pourquoi t'as pas accroché? Parce que tu n'as pas joué avec les bonnes personnes. Non, Loli. Tu n'as pas joué avec les bonnes personnes. Et ouais. Let's go, Apex! On va faire d'ailleurs un tournoi bientôt. J'ai fait le matchmaker ce soir, mais franchement, PC, t'as adorable, mon poulet. Et toi, comment tu vas, PC d'ailleurs? Trop de questions, je galère à suivre. Je suis au taquet. Et Krixos, blague Adam, exactement. Faut pas picoter avant les lives. De picoler, exactement, il faut pas picoler, hein. Surtout pas. Bah non, j'ai tout fait moi-même, mais les bottes cœur moustache de Lipads. Ok, alors Lipads, je connais pas qui c'est. Ça va, ça fait qu'un quart d'heure qu'on est là. Oh, bah écoutez, en le cas des loups, vous savez quoi, on va continuer sur Resident Evil 7, donc bienvenue à tous et à toutes. Et coucou Chilouchi, comment tu vas, poulette? Non, on n'est pas des poussins ici. On est des poulets, Chilouchi. Oh, regarde Chilouchi ce qu'on a fait. Et rebonsoir Sucre Moule. Il a pas pu suivre le raid, ok, pas de problème, t'inquiète pas. Ok, d'accord, donc tu fais toi-même des emotes. Moi ça va, j'ai déménagé, je suis plus aux Canaries, mais à Madrid maintenant. Mais oh, let's go PC. Et en tout cas, ça me fait super plaisir de te voir PC. Je sais pas si tu continues à aller chez Chianto, tout ça. Oh, je le veux. Ah bah il sera gagné les loups, il sera gagné. Et merci pour le shout-out pour Loli. Et qui joue à DBD hein, d'ailleurs. Et ça va faire à Sarah aussi. Oh les loups, on s'est fait. Oh les loups, on s'est fait raid hier. Vive le dédard! Vive le dédard! Exactement, c'est les poulets. Mais du coup Loli, chez toi la commu c'est quoi? Elle s'appelle comment ta commu du coup Loli? On n'est pas des fucking nuggets, exactement. J'adore ce truc, c'est fou. Il est trop bien fait le poulet en crochet. Il est vraiment très très beau. Donc l'un des deux sera à gagner les loups. Je vous le promets. Par contre, il n'y en aura qu'un seul, c'est des collectors. Un tour, elle stream Zelda, ok, TOTK en ce moment. Donc je vais pas la voir pour pas me faire spoil. Ok, d'accord, ça marche. Oh, DBD, longtemps que j'ai pas joué. Yes, DBD. Du coup, notre modératrice Sarah est très très fan de DBD. Elle est, c'est une PGM. Salut Lipaz, comment tu vas? Bonsoir. Donc c'est toi qui fais les emotes moustache. Mais let's go! Let's go Lipaz! Nous aussi on est très moustache. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il y a des moustaches de partout sur les emotes alors que le mec il a pas de moustache? Et merci pour le follow, merci Lipaz! Alors la réponse est tout simple. Ma chérie elle m'a dit, c'est moi ou la moustache? Eh ben je suis toujours avec ma chérie. En tout cas, merci énormément hein, pour le raid PC et merci à Loli pour le raid. En tout cas, bienvenue à vous. Et en tout cas, sachez que vous serez toujours les bienvenus ici. L'A-Team, du coup, c'est la commu. Fun et bienveillant. Voilà, pas de drama ici. On est vraiment cool. On se prend pas la tête. Et voilà, si jamais vous voulez, pour nous rejoindre sur Discord, hein, toi-même aussi, Loli, il y a aussi pas mal de copains streamers et tout. Donc, tu auras aussi la possibilité de les rencontrer. Et tu verras vraiment, c'est un groupe vraiment. Tu vas halluciner, vraiment des gens super. Oui, pardon, je dis toujours poussin. On n'est pas des poussins, on est des poulets ici.
Allez, let's go, Lilou. En tout cas, merci pour le raid, Loli. Prenez place, hein. En tout cas, pour ceux qui restent, je sais qu'il est assez tard pour certains. On est sur Resident Evil 7 et c'est le début. J'ai récupéré une arme. J'ai un moignon à la place du bras. Tout va bien. Et je vais aller me battre dans cette place. Moi aussi, j'ai un cœur stash. Mais il est trop beau, l'iPads. Il est trop beau, le tien aussi. Hein. Il est vraiment trop, trop beau. Mais franchement, nous, du coup, c'est l'imode qu'elle a. Alors, par contre, Lilou, j'allais me lever. Mais il faut vraiment pas que je me lève. Parce que j'ai dit en début de live, en fait, il fait très très chaud dans la pièce et je suis en quel but. C'est-à-dire que si je me lève, c'est strike direct. Strike direct. Strike direct. Petit slip kangourou, à mon avis, ça passe pas sur Twitch. D'accord ? Donc, je me déplace comme ça. On a des petits goodies. On a des petits goodies, regarde. On a des petits goodies, porte-clés, tout ça. Qu'on a fait gagner pour les 2 ans de la chaîne récemment, c'était trop cool. Et puis la commu, c'est la team hein, par rapport à l'agence touriste, tout ça, donc voilà. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes, ça me fait super plaisir, franchement, c'est énorme. Et d'ailleurs, hier, on s'est fait raid aussi, il faut me rappeler Lou, parce que j'avais promis, du coup, à la personne qui nous avait raid de follow, et honnêtement, j'ai zappé, j'ai pas eu le temps en fait aujourd'hui, donc il faut vraiment que je fasse un reminder, parce que je m'en voudrais de pas avoir follow, et pareil pour Loli aussi, hein, faut me le rappeler, les loups. Nous, c'est les aliens, parce qu'on est tous des gens bizarres, mais on est gentils. Ah, d'accord, vous êtes bizarre. Mais vous êtes bizarre comment, Loli, sur une échelle de 1 à 10? Pourtant, on a vu moins que quel but sur certaines chaînes. Ouais, mais moi, j'ai peut-être pas les mêmes atouts qu'Amourante, quoi. C'est un Steep A-Team, let's go. D'ailleurs, on était à la Toulouse Game Show, je sais pas où t'habites, Loli. On était à la TGS, du coup, récemment, on a fait un rassemblement de la A-Team, la commu. On était à environ entre 30 et 40, on a fait une vidéo qui sera diffusée prochainement. Sucremoule, qui est ici, Sucremonde, hein. Je l'appelle Sucremoule parce que tout le monde l'appelle Sucremoule à cause de moi. Parce qu'un jour, j'ai lu Sucremoule ou Sucremonde, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mais je trouve ça beaucoup plus mignon que Sucremonde. Et ben, du coup, il est streamer et lui, il a filmé, du coup, le meeting, la réunion à la Toulouse Game Show. Et donc, on montrera la vidéo très prochainement. Voilà, donc petite info. Amourante, elle se met bien en maillot, je vois pas le problème. Ouais, mais honnêtement, je pense que ma femme, elle aimerait pas trop non plus, tu vois. Et puis après, mes enfants, ils vont me dire, ouais, il y a papa, il se met en boule bite. Voilà, bref, c'est un peu chelou. 12. Ok. Entre le streamer comme ça et certains couleurs qui te regardent de limite nue. Ah oui, c'est vrai. Hein. Apparemment, 70 pour... Oh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Oh, ok. Ah, mon moignon. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On lui tient une balle à la tête? Comment on fait? Ho ho ho. Merde, faut que je... Mais le business de ouf. Sur l'échelle de 1 à 10, on se positionne entre 12 et 14 en fonction des personnes. Ah ouais, 12, c'est pour ça qu'il est dit 12, d'accord. Sur l'échelle de... Qu'est-ce que tu veux pas que je sache? Attends, mais... Oh, d'accord, ok, on est séparés, hein. Disons qu'on n'est plus ensemble, d'accord. Voilà, disons qu'on est séparés... Elle fait la fosse, non? Oh, elle me veut du mal, elle est pas gentille, elle me veut du mal. On va lui mettre une cartouche quand même avant de partir. Oh, 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 secours! Elle est rapide quand même, hein? Elle a fait de la gym pendant ces 3 ans, c'est pas possible. Elle était pas comme ça quand je la connaissais. Ok, c'est bon. 12 balles dans la tête, allez. Et pour s'assurer, au cas où. C'est bon, je crois qu'elle est morte. Elle va pas faire de surprise, je pense pas. Avec tout ce que je lui ai mis dans la tête. Par contre, je veux bien la prendre, sa tronçonneuse, ça serait cool. Et là, je crois que je vais me faire éteindre par le papa. Salut, Micha, comment ça, poulette? Et merci. Oh, ma femme! Oh, 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 oh.
bizarre dans le sens où j'ai fait des tests et on est majoritairement des introvertis qui ont du mal avec les gens, mais entre nous on s'accepte et tout le monde rigole ensemble, c'est vrai ? Ah bah écoute, franchement, et en tout cas nous on accepte tout le monde. Moi je suis pas introverti du tout, par contre Loli, je préfère déjà te le dire. De base je suis de Nîmes, mais avec l'expérience de la vie, etc., je suis jamais perdu dans le Grand Nord. C'est pas facile, mais ils ont des bonnes frites et des bonnes bières. Ah ouais, les bonnes bières, c'est clair Loli. Et du coup, est-ce que tu vas à la TwitchCon, Loli ? Parce qu'on va y aller du coup avec les copains. Il est passé où le mognon ? Le mognon ? Il est passé où le mognon ? Gros bisous à Lipaz et à bientôt du coup mon poulet, encore merci pour le follow. Et super les moustaches, super les moustaches. Dire qu'on est venu la sauver à cette folle là que vous voyez exactement. Elle est en train de bouffer le mognon. Double tap. Salut Mafa, comment s'est passé ton raid ? C'est quoi ces monstres ? Ah c'est des chelous, l'angoisse ce jeu, mais si bien, il est vraiment top. Et coucou Summers ! Coucou le Mac ! Coucou Emisha ! Coucou Mafa, comment s'est passé ton live du coup ? Sur Resident Evil 4 d'ailleurs. Comment ça avance ? On dirait des stalkers, un petit peu, c'est vrai. Ah ouais, là, par contre, ah ouais, là, c'est dingue, par contre. Quand j'ai découvert ça la première fois. Qui êtes-vous ? Où est Mia ? Mais c'est quoi qui bouffe, là ? Mais non, c'est dégueulasse que tu... Oh ! Bien, bonsoir à toi ! Bonsoir, enfin ! D'arriver du raid pendant la patate du père Baker, exactement. Je sais pas si on peut mettre pause. On va tenter la cinématique et puis du coup on va accueillir Mafa comme il se doit. Mafa qui est un super streamer qui fait partie des Affiliés du Cœur. Un groupe de streamers qui œuvre pour des événements caritatifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, la patate de foin. Oh merde, il mange pas Jack. Il mange pas. Ferme-la Marguerite. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Ah, il a perdu son moignon lui aussi. T'es censé être un festin très spécial. Ah bon ? Allez, fiston. Allez, je vais pouvoir manger avec l'œsophage. Hein. Oh, et merde ! Je parie que c'est encore ce flic. Maudit poulet ! Bouge pas, je reviens. Il a des... Je sais pas si on peut mettre pause ou quoi. Ouais, on peut mettre pause, ok. Du coup, j'accueille ma femme fatiguée, pas le meilleur des formes de ces derniers jours, mais ça va tranquille, et toi ? Oui, nickel, le live. Merci Mafa qui offre un sub à Summers, merci Burke. Chouette le banquier des Bakers, exactement. Et salut Anna Hysteria, comment tu vas ? Hello, hello. Et on gâche pas la nourriture, exactement. C'est pour ça qu'il m'a ouvert l'œsophage et il m'a planté le truc dans la gorge, directement en collection. En fait, on s'est fait raid avec Loli juste avant. Du coup, Mafa Loli, n'hésitez pas aussi à vous auto-follow. Vous êtes deux streamers. Loli, qu'on découvre en fait suite à PC Cercueil qui nous a recommandé Mafa. Et Loli, elle est vraiment super sympa. Elle joue à du DBD. Et là, en ce moment, elle fait du Fornward. D'ailleurs, j'ai fait du Fornward avec Mafa en live. Donc, c'est super cool. Ce prénom m'a toujours fait sourire, Marguerite. Ouais, c'est un peu chelou quand même. Le typique cutéreux. Consanguin, mais le mutamisette en plus, exactement Misaki. Pas de bras, pas de chocolat. Ah ben là, je peux te dire qu'il n'y a pas de chocolat du tout. C'est d'ailleurs la banane cette partie. Mais c'est vrai que c'est dégoûtant, le ragoût il est dégueulasse. En tout cas, bonne nuit à TR, merci d'être passé. Je te fais de gros gros bisous, mon poulet. Et encore merci pour le follow. À très bientôt, certainement sur la chaîne de Loli, du coup. Je passerai vous voir. Moyen tout à coup, il me manque une pièce. Mais comment ça, il te manque une pièce ? Est-ce qu'on peut faire un shoutout pour Mafa du coup les loups ? Mafa qui fait partie des affiliés du cœur, comme je disais, quelqu'un d'exceptionnel. Il a l'originalité qu'on n'a jamais vu son visage et que quand il met la cam, il met un masque de squelette. Donc c'est assez impressionnant, mais c'est un amour, un amour. Mafa c'est un amour, franchement. Voilà, et en plus il chante. Il fait beaucoup de jeux d'horreur, comme vous pouvez le voir. Hein. Il fait du Among Us, du Gambist. En fait, il a que des clips sur des jeux multi coop fun en fait. Il a jamais de clip sur les jeux d'horreur, alors qu'il fait que des jeux d'horreur, le mec. Et en ce moment, il fait du Resident Evil. T'as qui ? C'est pas bien, les chutes, tranquille, merde ! C'est quoi ça ? Non, mais c'est bien, parce qu'il faut toujours... Donc voilà, Mafa qui joue beaucoup aussi avec sa commu, donc n'hésitez pas à aller voir les loups. Et c'est pour ça qu'on lui saute pas tous dessus dans la rue. Exactement, c'est par rapport à son visage. Pas fort d'avoir fait 40 clips en un mois sur Resident Evil. Ouais, mais apparemment, ça suffit pas, il faut que tu redoubles. C'est pas ce qui manque pourtant. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. En fait, quand on voit les SO de Mafa, on a l'impression qu'en fait, il joue que à des jeux multi avec la commu, quoi. Alors qu'en fait, il joue plein de jeux d'horreur, des jeux indés, tout ça.
Donc en ce moment il fait un, aussi le, les Resident Evil, la saga, donc du chocolat aux asticots, let's go. En tout cas, bienvenue ma femme, bienvenue aux Raiders, bienvenue à vous. On est sur Resident Evil 7 Biohazard, let's go. Et on est avec la famille Baker. Ok. Et la mamie là, et la petite mamie. Mamie Baker. Et j'ai toujours mon moignon là, comment ça se passe? C'est la partie un peu. Je vais devoir filer. Je vais manger un bout et dodo. Merci beaucoup, Black. C'était un réel plaisir de te découvrir. Merci à PCS Accueil. Bonne soirée à tous. Des gros bisous, Loli. Bonne nuit à toi. Encore merci énormément pour ton raid. J'irai follow ta chaîne, du coup, et j'irai voir. Du coup, j'irai venir te voir pour découvrir ce que tu fais. En tout cas, bonne nuit à toi. Et plein d'amour sur toi. Des amours. Plein de love poulet. Let's go. Tiens Kira, j'ai un deal, j'installe Apex et tu installes Unshutdown. Alors Unshutdown c'est prévu le Mac, hein. C'est prévu que j'y joue. Hein. Je ne l'ai pas encore installé Unshutdown, mais j'ai envie de te dire pourquoi pas. Je sais que j'ai gardé une place pour Ice Cube parce que j'aimerais bien le découvrir avec Ice Cube. Mais apparemment ça se joue à 3, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. Le regard de la Mimi ça m'angoisse. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ah, mais elle est vivante, en fait. Moi, je vais aller dans la cuisine, parce que j'aime bien la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon, ici? On dirait du colon. Ouais, c'est des équipes de 3 hunts. Tamar a repoussé la magie. Elle a le regard tellement vide, on dirait qu'elle est dead. Je pense qu'elle est dead. Elle suit du regard, genre. Ouais, du genre, mais elle a les yeux vitreux, quoi. On dirait qu'elle a la cataracte. Je sais pas si j'ai bien dit le mot cataracte. Bon allez, let's go la botte. Evelyne. D'accord. Cool. On peut se... Et bonne nuit Micha. Au fait, et Micha, tu as reçu quelque chose ou pas? Merci, bonne nuit à Micha, gros gros bisous, toujours pas, ok d'accord, tu vas la recevoir certainement demain je pense. En tout cas, bienvenue les loups, ouais c'est, du coup ça se joue à 3 donc on le fera à 3 du coup les loups. Ok, il nous faut un truc pour l'ouvrir donc. Pour l'instant c'est verrouillé, j'ai pas de clé. Est-ce qu'elle a m'aimé, elle aurait pas la clé. Ok, Nico le bricolage. 6 cordes, collier de chien, ok let's go. Voyez, je crois qu'il y a, je me rappelle, il y a un flic qui va passer un mauvais quart d'heure, je crois. Oh, des balles. Trois explorateurs urbains disparus. Les autorités d'État lancent un appel à témoins afin de trouver la place de trois hommes venant de la Nouvelle-Orléans disparus après s'être rendus à la paroisse de Duvet le 9 de ce mois. Les trois hommes, Peter Walken, André Stickland et Clancy Javis, sont connus sur Internet pour leurs vidéos tournées dans des bâtiments abandonnés et des maisons prétendument hantées. Ok. Les secrets de l'abîme, Cliff O'Brien. Et du coup, est-ce que tu en es loin de Resident Evil 4, ma fin? Ok. Ouais, j'avoue que... Ah ouais, elle me suit du regard, en fait. J'avais pas vu, en fait, ouais. Elle... Shit, tu peux pas me voir, hein. Allez, je vais également vous laisser navrer demain, je dois bouger, pas de problème du coup, Summers. Merci beaucoup, je fais de gros gros bisous et encore merci du coup d'avoir suivi le raid de Mafa. N'hésitez pas à le voir Mafa, Lilou, hein, vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Lilou. Hein. Super sympa, bienveillant. Une super commu. Ouais, on va jouer à cache-cache. J'ai bouté les fesses de Ramon. Let's go, Ramon. Qu'on fait pour le casser? On peut casser quelque chose, mais j'aime. Donc on va dans le garage. Après 15 fois, c'est vrai? Ramon, Ramon Salazar, là? Ouais, il était chiant. Ok, donc il faut que je trouve un couteau.
Par contre, le couteau, vous l'avez vu quelque part, vous? Sur la table, peut-être? Il avait pas un couteau, le mec, d'ailleurs? J'ai pas vu le couteau dans la cuisine. Dans l'évier, les couteaux, là. Non, y a pas de couteau, là. Ah. Non, y a rien du tout. Bonne nuit, Summers. Bonne nuit, en tout cas. Apex. Ok, garage, c'est là. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Oh là, là c'est pas bon là. Je fais aussi des gros bisous, papy Greg. Merci d'être passé, plein de bisous à toi. On dirait ma cuisine, c'est vrai? C'est le bordel comme ça, ta cuisine? Et du coup, le Mac, comment va ta maman, si c'est pas trop indiscret hein? Tu m'inquiètes s'il y a ça dans ton frigo. Hein. J'avoue qu'il y a dedans, il y a quand même un peu de colon, quoi. Chut. Ok. Ok, pour l'instant, ça va, ça tient. Ça tient la route. Qu'est-ce qu'il fait, bug là ou... Par ici, petit. Ouh, c'est chaud là. Ah ouais, c'est chaud là, à l'extérieur. On lui a découvert 2 mini fractures à la colonne vertébrale et atteint une course sur mesure, ok d'accord. Pas la peine de te cacher. Apex! Montre-toi, montre... Quitter avant la fin du repas. Oh merde, il m'a vu! Il m'a vu! Oh, secours, papa! Papa Baker! Ok, on va se mettre en garde, ok. Ok, on va se casser là, du coup. Parce que c'est là où on voulait aller. Ah, il va trop vite. Oh là là là, on va passer un sale quart d'heure. Ah, la clé, elle est là. Ok, la clé était là, donc là, c'est mort. Il m'a vu, du coup. Il va me tuer. You are dead. Et plein d'autres positives, merci. Fou. Et pour l'instant, elle est toujours hospitalisée, d'accord. Viens voir Papa Baker. Imagine quand il te chope le visage en verre. Ah ouais, c'est très impressionnant, du coup, à Poulette. Échapper à Jack. Se cacher dans l'ombre et rester silencieux est un moment. Oh, bah, pas de problème. C'est ce que je voulais faire, en fait. Attends, on commence depuis le début, là? Non, mais dis pas que je dois tout récupérer, là. Et je crois qu'il y a des balles, là. Ah ouais, d'accord, il faut tout refaire, ok. Ok, donc là, il va falloir que je sois vigilant. Je sais où est la clé, d'ailleurs. C'est la mamie qui me regarde, elle est chelou. Ok, y'a rien. Dingue, y'a la clé, donc c'est pas là où on va devoir passer avec la clé. Alors, quoi que c'est la clé, mais je sais pas si c'est la clé que l'on a trouvée. Et salut Kuzungusha, comment ça va? C'est pas une musique de disco, Ma Baker.
Ma Baker. Bon anniversaire les petits copains. Ça va être tendu les loups. Ah oui voilà, chaque fois que je vois ce jeu, j'ai la musique en tête. Mama Baker. Après je connais pas la suite par contre, de... je pourrais pas te la chanter. Je connais pas, tout... j'ai pas toutes les paroles. Elle était bien à la douche. Ah, elle était partie à la douche Winter. Comment tu vas Kuzungusha? Bienvenue à toi en tout cas, on est sur Resident Evil 7. On est dans la... Oh. Oh, ça serait con de recommencer. Par contre, la cachette, elle est pas pétée en 6, mais presque. Et pourtant, il ne boit pas. Winter is coming alors. Exactement. Mais comment il... Mais attends, mais comment il a fait pour me voir, lui? Ah, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, comment il m'a vu? Oh, secours! Je te tiens, tu me tiens. Oh là, c'est chaud là. Ah ouais, c'est un Terminator, lui. Il va me voir là. Oh putain, le fou. Il est où? Je tente ou pas? C'est sans ici, tu sais. 9 sur 20, c'est vilain. Sinon ça va, il fait moins chaud que c'est agréable, alors je m'adapte plus vite que prévu, c'est vrai? Attends, mais il est où, tête de nœud? Akira n'a plus de cheveux, comment ça j'ai plus de cheveux? Ta phrase m'inquiète pour la perruque. Ah ouais, c'est j'avoue. Il me faudra pas longtemps pour prouver que tu es. D'accord. Montre-toi, montre-toi, sors de ta cachette! Bonsoir! Ouh, c'est chaud! Tu me tiens, je te tiens pas là, Michel, le premier qui ira aura une patate de forain, exactement. Let's go! Let's go, vite! Oh la vache. Oh putain. Ah ouais, je me souviens, on va devoir ramper pour récupérer un truc sous la résidence. Et coucou Léna, comment tu vas, poulette? Salut Léna! Comment tu vas? J'avais pas vu du coup ton message. Et bienvenue du coup. Du coup, on est sur Resident Evil 7, je pense que t'as dû essayer de le faire, ou tu l'as fait. J'ai dit des critères de notation si vous voulez. Mes notes se basent sur la blague, sur le timing, où vous l'avez dit, sur la référence à avoir sur le jeu de mots, et sur si vous vous appelez Maman Géniale ou pas. Écoute, ça va super bien. C'est une belle redécouverte le RE7, c'est que RE6, du coup, c'est vrai qu'on en a bouffé quand même pas mal. Il y a quand même pas mal 4 campagnes, et je vous remercie d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont participé. Une pièce antique. Salut Smith Vivi, comment ça poulette? Comment tu vas? Donc t'aimes pas la ref, car le reste c'était parfait. Ah mais Cube, il note sévère. Hein.
À l'aller, à mon avis, ça passe. C'est au retour que ça va partir en couille, à mon avis. Il est là, le mec? Il est là? Ah, j'ai eu du mal à... Ah putain, sauvegarde, yes, let's go! Comment tu vas, Smivy? Bah écoute, super, ça me fait super plaisir que tu sois là, poulette. Qu'est-ce que tu racontes debout? Eh putain, je suis en train de chier mon frog de la mort qui tue, là. D'ailleurs, comment on fait pour voir la map? Ah d'accord, ok, ok. D'accord, c'est ça la map. Ah franchement, il faut changer... Oh, c'est un coffre. Oh, let's go le coffre. Let's go, let's go. Qu'est-ce qu'on peut déposer du coup? Je pense que les balles ça sert à rien pour l'instant, non? Comment on fait pour déplacer R? Je sais pas comment on fait pour bouger ça. F. Ok. Ok, la petite plante, on va l'utiliser, on va la garder du coup. Rien de spécial, un boulot dodo, hein, je le sais du coup, poulette, mais c'est bien du coup pour toi. Comment ça se passe ton travail? Elle sent horriblement mauvais, tu m'étonnes, ça pue. Il y a un téléphone là. Waouh, des objets dans l'inventaire, on peut combiner des objets? Ah ouais? Qu'on fait pour combiner? Combinaison. D'accord, c'est ça et ça, d'accord, ok, let's go. Ok. Allez, on se met un petit peu de... Un petit peu de produit. D'ailleurs, on va enregistrer. Je sais pas si on est safe dans les points de sauvegarde. Vous savez, les loups sur le set, je ne me souviens plus. Alors, il faut s'appeler Maman Géniale, exactement. Rien de spécial, ok, comment ça s'appuie? Je pète, ok, mais pas à ce point-là. Ah ouais, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça chez le Mac. En plus, le Mac, c'est bien, c'est pas comme si tu étais le... Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, un crochet! Let's go! What? Mais pourquoi ça sonne? Mais le mec il va venir. Ah, c'est quoi ça? Qu'on fait pour la taper ça? Allô? Compliqué à gérer. Je suis pas tombé dans une bonne entreprise. Ok, d'accord, ok. Bien joué, toi. Et t'arrives à tenir un petit peu ou pas? Parce que c'est vrai que du coup, en plus, toi, tu cherchais depuis un moment. Tu dois sortir de la si c'est en mode difficile, il te faut faire une cassette audio. Ok, d'accord. En plus. Oh, le truc à ton poignet. Je passe un coup de vent pour savoir comment tu vas. Ça va super bien, Kariel. Et toi, poulette? Ça fait super plaisir, Kariel. Ah, oh, ma Kariel, elle est tellement, tellement adorable, du coup, Kariel. Elle fait partie aussi des affiliés du cœur, hein, les streameuses aussi, hein, comme Mafa, comme moi, et comme le Mac aussi, hein, d'ailleurs, qui fait partie des affiliés du cœur. Il y a pas mal de streamers, du coup, qui œuvrent pour les événements caritatifs. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, les loups. Hein. Franchement, en plus, ils sont adorables. Pas le choix, ok, d'accord. Par contre, c'est une mission, non? T'en as pour combien de temps? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle m'a dit, la dame? Je me souviens même plus. Ah, elle m'a raccroché au nez! C'est Pizza Hut, let's go! J'aimerais 3 pizzas au fromage, s'il vous plaît. Avec des pepperoni. Et du chorizo. Ok, donc là, on a un crochet. On a un crochet. On a un crochet. Est-ce qu'il y avait une porte où on avait besoin d'un crochet, les loups? Dans le garage, non? Dans le garage, on a besoin d'un crochet, je crois. Par contre. Il est où le mec? Oh merde.
Bah moi je vis demain, je me lève trop. Bonne nuit tout le monde, des gros bisous Ice Cube. Merci d'être passé, je fais plein de bisous. Ok, c'est la fragile, ok. De mémoire, les crochets, c'est pour les tiroirs, non? Et ça, c'est quoi qu'il faut, là, en fait? Il faut un couteau, en fait. Mais je m'en rappelle plus qu'il y avait un endroit où il y a besoin de crochets. À moins que je me fasse attaquer, là, peut-être. À quel moment on a besoin de crochets, là? Ça faisait longtemps, et oui et non, je faisais remplacement en intérim, mais là c'était longue durée. Pour ça que ça m'intéresse, mais j'aurais, si j'avais su, je me serais abstenu de postuler là-bas. Ah ouais, putain, c'est chiant, quoi. Et du coup, là, je suis un peu bloqué parce que je sais pas trop où est-ce que j'aurais récupéré. J'ai un crochet, mais il me semble pas avoir un endroit où l'utiliser, en fait. Je me rappelle plus d'un... Est-ce qu'il y a un endroit où j'avais besoin d'un crochet? Ça me dit rien, en fait. Le crochet, c'est pas pour maintenant, je crois, d'accord. Merci, mon poulet. Et salut à toi, du coup, aussi, j'en profite. Oh, mais... Oh, oh, oh. Wow. Ah ouais, c'est vrai. Merci pour le follow, MB. Hey, par ici. Allô. Hey, vous devez m'aider. Ah ouais, mais lui va se faire défoncer par Papa Baker. Non. Merci pour le follow, MB. Monsieur, est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non. D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici. Bon, calmez-vous. Mais vous m'écoutez pas. Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Oh, ok. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Ok, ok. Je vous dirai ce que vous voulez. Et du coup, t'aimes bien la Resident Evil, MB? Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous êtes tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok, monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Et comment ça se fait que le mec il est venu là alors que la maison des Baker elle est vraiment au milieu de la pampa? C'est chelou quand même. Qu'est-ce qu'il vient, il vient faire le flic à cette heure-ci en pleine nuit? Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Ah ok, ok, j'y vais du coup. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Papoulet on dit, hein. Ok. Oui mais j'ai trop peur, c'est vrai? On va faire ça. Ah j'ai fait du bruit là. Là j'ai fait du bruit quand même. J'aime bien les animations qu'il y a dans le set. Je trouve qu'elles sont sympas. Ça donne un peu plus de... On a l'impression que vraiment qu'on est dans le jeu quoi. Oh putain, l'histoire de la voiture, les loups. Oh putain, alors ici, la scène, elle est épique. La scène ici, je pense qu'elle est épique. Je pense que tout le monde se souvient de cette scène. On va la vivre ensemble, mais j'ai envie de dire, c'est what the fuck fuck fuck, man. Ah ouais, c'est what the fuck fuck fuck, man. Mais what the fuck fuck fuck. Ils ont aucun voisin, c'est exactement. Ils sont tous morts, Kuzungusha. Vous avez reçu des plaintes? Oui. Mais de l'état à côté, tu sais. Ma poulie, il fait très très peur, ouais. Épique et collégramme, même. Exactement, let's go. Hey, on doit vite se tirer. Alors lui, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul au milieu. Il va avoir un petit souci technique. Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Qu'est-ce que vous faites? Bon ben, let's go, hein. Saloperie, je vais tous vous tuer un bras. Ah ouais, let's go. Allez. Oh, allez. Vas-y, je la défonce, cette bagnole. Voilà.
qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu fais malin? Ah, mais il est costaud! J'arrive pas à changer la direction du. Finissons-en, toi et moi! Oh! C'est quoi ce truc de internet là? Allez! Oula, 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 oula! Oula, 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 oula! Non! Ok. What the fuck, fuck, exactement, il est bête aussi. Hein. Qui veut la serviette de poulet? C'est la bagnole passée des Bakers, non? Pas l'internet. Oh, what the fuck, 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 man. Je te... Oh, la vache. Ah ouais, la vache. Ah ouais, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Oh, ah, il y a un flingue là. Oh là, oh là, oh là. Il y avait un flingue, non, par terre, je crois, non? Ou il y a un flingue quelque part, là? Lève-toi, 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 il y a un flingue. J'ai vu qu'il y avait un pistolet. Allez. Mais lève-toi, Ethan. Ah, mais il est mort. Qu'est-ce qu'il a? Il a cramé la voiture, lui. Le pistolet est là. Vas-y, je prends tout ce qu'il y a. Oh, c'est quoi ce bruit-là? C'est quoi ce bruit-là? C'est quoi ce bruit? Je crois que j'ai pris tout ce qu'il fallait là, non? On peut pas se cacher là? Oh le con! America! Exactement! Relucie, comment ça, poulette? T'as pu travailler un petit peu? C'est quoi ce bruit? Il va m'attraper la jambe là. Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain! Ok. Écoute, à la prochaine. Descends encore en cours, ok, ça marche. Ouf! Oh putain, j'avais pas vu ça. Il y a des trésors de partout en fait. Non, 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 non! Attends, il y avait un truc là. Il y a un truc à récupérer. Oh. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Mais j'ai retiré ma casquette de modo et c'est bon ça. Je suis sûr des adaptations de manettes de dégâts. Manettes et dégâts, ah je connais pas du coup. Allez, viens ici, backer. Backer. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Pauvre flic. Attends, la mémie, je peux pas lui mettre une balle pour rigoler. Oh merde, je suis full. Attends, on peut faire de la drogue, non? Comment on fait pour faire la drogue? Ah ok, le petit crochet. Yes. Ok, là on est en termes de life, on est vraiment pas mal. Par contre, peut-être que je devrais être dans la zone de sauvegarde, non? Vous vous rappelez où est-ce qu'elle était? Pour que je puisse sauvegarder? Elle est partie la mamie. What the fuck, fuck, fuck.
C'est ça, je crois. On va enregistrer. Poser du stuff là. Je sais ce qui pue. On n'a pas bien tout ça, je crois. Mission de pistolet, on les prend. Ça, c'est un jeton. Je sais pas à quoi ça sert, en fait. Vous vous souvenez à quoi il sert, le jeton? Une pièce antique, une vieille pièce commémorative. D'ailleurs, ça, ça sert à rien, en fait. Ça, j'aimerais bien le mettre là, en fait. Comment on fait pour le laisser? Au fond, à gauche. Buanderie. Acheter des armes dans les cages. Ah ouais? Ah ben ça, je me souviens plus du tout comment ça marche. Comment on fait pour les mettre là, en fait, les objets? Pas qu'on fait. Bref. C'est quoi ça? Non! Mais non! J'ai utilisé pour rien! C'est pas ce que je voulais faire! Bon, c'est pas grave, je sais pas comment ça marche. Tu peux ranger le jeton? Ok, je vais ranger, merci Paulette. Ok. C'est juste l'emplacement des armes? Ok, on peut... Mais tout à l'heure, il y avait le taureau qui était dessus. Eh ben voilà les loups. Je pense que du coup pour ce soir c'est bon, j'ai bien enregistré, on va pas aller plus loin pour ce soir du coup. On continuera de toute façon à partir de demain soir 21h, on attaque un peu vite, aujourd'hui j'avais pas mal de choses à vous dire du coup en début de live. Et puis on va faire quelques remerciements. Tac. Et voilà, petite musique aussi, hop. Tac. On va fermer le jeu. Hop. Ça va laguer peut-être un petit peu parce que je suis en train de fermer le jeu. Ouais, c'est bon. Ça n'a pas largué. Ok. En tout cas, ben merci, c'est vraiment cool. Hein. Franchement, il me tarde demain pour continuer du coup le set. J'avais oublié comment c'était oppressant dès le début. Après j'avoue que graphiquement je trouve qu'il a pris un petit peu, hein. Après il est pas non plus dégueulasse ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il a un petit peu pris, donc je vais en profiter pour faire du coup les remerciements du coup pour Razor pour son raid, merci beaucoup, merci aussi à Foxy Williams, merci à Wolfis pour son 3ème mois d'abonnement, merci à Ceci pour le raid et encore bon anniversaire, merci à Ceci pour son 3ème mois d'abonnement, merci à Raline pour son sub, merci à Winter Sky pour les beats, merci à Loli pour le raid, franchement une belle surprise, hein. Encore merci à PC Cercueil pour la recommandation, merci à Loli pour le follow, à Terre pour le follow, à Lipaz pour le follow, merci à Mafa pour le raid, merci à Mafa pour le sub offert à Summers et merci à MB pour le follow, franchement c'était super cool, j'espère que ça vous a plu. On continue notre marathon Resident Evil à partir de demain 21h. Je rappelle qu'on aura aussi Outlast Trials vendredi soir et samedi soir, on sait pas trop encore ce qu'on va faire, donc on sait pas trop, donc je vais en profiter après, juste après pour follow d'ailleurs Loli et du coup la personne qui nous a raid hier, donc je me rappelle plus encore son prénom. Eh ben écoute, merci Josh, avec grand plaisir. Le set est bien cool. Je pense qu'on va vraiment bien s'amuser du coup sur le set. Ça va vraiment être insane de chez insane. Et après, il y aura le 8. Et par contre, dans le set, ce que j'ai pas fait, c'est les DLC. Donc on va devoir faire les deux DLC que j'ai jamais faites. Il y en a deux. Alors je sais pas si c'est 100 grammes ou pas. Je sais pas qui c'est qui avait les DLC d'ailleurs, les loups. Avec grand plaisir du coup, MB1. Qui c'est qui a fait les DLC du set? Est-ce que vous avez fait les deux DLC? Parce que moi, je les avais pas faites en fait sur console à l'époque. Razor, tu les as faites? Et du coup, est-ce sont longues ou pas? À peu près, tu t'en souviens? Ils sont bien? Ouais, franchement, c'est de ouf. J'ai fait que le premier DLC du set. Et t'as pas fait le deuxième? Parce que je crois qu'il y a Chris. Et ensuite, il y a la... T'incarnes Papa Baker, je crois, si j'ai pas de bêtises. Si j'ai pas de bêtises. Mais après, voilà, je suis pas sûr à 100% du truc, quoi.
Alors, on va aller voir qui est-ce qu'on va aller raid. Ben, on va aller, je pense, raid. On va raid le fiston, je crois. Parce que ça fait, je crois que ça fait longtemps qu'on l'a pas raid. Je vais regarder s'il n'y a pas. Parce que des fois, il y a des streamers qui stream pas forcément très tard le soir. Donc, j'ai l'occasion de raid. Ça a pas l'air d'être le cas. Donc, on va aller raid Tenokami, du coup, qui est sur. Qui est sur Dead Cells, du coup les loups, donc on va aller le raid, voilà, vous pouvez y aller, le spammer des emotes de la chaîne, vous allez voir, il est super sympa, il fait du Elden Ring en ce moment, et il va bientôt faire du visage en jeu d'horreur, donc franchement, je vous conseille en tout cas d'aller voir son contenu. Chris, ça dure une heure à peine, ok d'accord, bah c'est bon à savoir. Et oui, du coup tu arrives à la fin Lucie, exactement. Après je disais, je sors, je vais pas jouer trop tard. Après je vais faire quelques games d'Apex et après je vais aller faire dodo. Du coup pour récupérer un petit peu les heures que j'ai perdu hier du coup. En tout cas à tous et à tous, je fais de très très gros bisous. On part effectivement chez Tenokami. Encore merci de votre présence ce soir. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Merci et je vous dis à demain 21h pour la suite de Resident Evil 7. Bisous bisous, ciao ciao. Et merci MB, merci à tous ceux qui sont restés tard, merci à Lucie, merci à Razor, merci à Sucremoule, merci à Winter Sky, merci à Le Mac, merci à tous et à toutes, merci à Josh aussi, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous, on se rejoint chez Tenokami qui nous fait du Dead Cells, encore merci pour votre présence ce soir, merci à Sarah, merci à la modération, je vous en plein de gros bisous et je vous dis à demain 21h, bisous bisous, ciao ciao. Oh yeah. Myself, man, I'm searching for some help. I can hear a voice inside me saying, I'm leaving.